On fait une intro. Bon, salut. Oh là là. Salut. Ça va. On fait genre d'être amis. Bah écoute, ouais, un peu comme la Redbox, hein. Ça va? Ouais, on est collègues. T'aimes bien les radios libres et tout. Et j'ai vu que t'as fait une radio libre la dernière fois. T'as un bon camp. Avec Norman, là. La ah, minia. Ouais. T'as bien aimé, la minia? On va te faire foutre, voilà, on va te faire enculer. J'avais bien raison de te comparer à Dieudonné. J'avais bien raison de te comparer à Dieudonné. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'imagines, je fais une minia. Moi, quand je parle des dramas et tout, moi, je mets un pixel, je pixel le gars, parce que j'ai trop honte de le mettre sur ma minia. Ouais. J'avais parlé de Coleman, je m'étais dit, bon, vas-y, j'ai pas envie qu'il soit sur ma minia, tu vois. Non, et toi, tu... Pareil, Coleman, t'es proche de Norman, s'il te plaît. Norman? Bon, ça va, c'est similaire, hein. C'est similaire. Pas trop, en vrai. Parce que Coleman, c'était ton gars, on peut dire. Pardon? Mais va te faire enculer ou quoi? Coleman, c'était mon pote. Coleman, c'était mon pote. Alors là, mais tu t'enlèves ta tout de suite. Ça, c'est à cause d'Amine m'a tué, ça. Ça, c'est à cause d'Amine m'a tué. Parce que au 5, il nous a casé Coleman alors qu'on l'aimait pas. Oui, c'est vrai. Il nous l'a voilà, casé. Moi, je ne l'aimais pas depuis le début, Coleman. Je ne l'aimais pas, mais vraiment, c'est même pas pour faire le prouveur en mode je l'aimais pas avant, genre. C'est comme Hitler, genre. Hitler, je le détestais avant. Avant qu'il fasse toutes ces conneries, Hitler, D33. Mais vous étiez dans la même team. Et la team, elle s'appelait Caca Box. Mais non, c'est pas vrai. Il a jamais été dans le putain de groupe. Je jure, on a eu des détraqués dans le groupe. On les a éradiqués. Mais Coleman, ce n'était pas le cas. Ah, mais Coleman, c'était avec Josplay et tout, là. Tous ces délires, là. Ah, Josplay. Les gars. Voilà, quoi. Regardez, derrière votre fenêtre, le ciel, il est jaune. Oui, mais je suis pas dans ta ville, moi. Est-ce que dans le sud aussi c'est jaune? Hey guys. Dans le sud c'est jaune. C'est bleu. Il y a qu'à Paris que c'est jaune. De quoi? C'est rose. Il veut pas m'écouter. C'est dans la Sicile. Qu'est-ce que tu racontes toi? C'est rose. T'es à Paris aussi? Je suis à Paris. Bah oui, c'est rose. C'est pas bleu. C'est jaune, frère. T'es fou quoi? C'est bleu. Les gars, pas la peine de s'énerver, je pense. Tiens, je suis tout sympa avec ma belle. Ah, tout le monde me dit c'est clairement jaune, bah c'est moi le c'est bleu. Ça va, Thibaut, tu dis bonjour aux gens qui t'ont manqué, t'as aucune culpabilité. J'ai dit hey guys, c'est bon. Oh, Thibaut, ça va, Thibaut. Salut, Kazem. Thibaut, des excuses aux gens qui sont sub pendant un mois en espérant un autre live et que c'est jamais arrivé. Ah, j'arrive. Des excuses. Je vous le dis, ne vous subez jamais à Thibaut. C'est aucun investissement. Par pitié. Et ben enfin, il était bon le dessert. T'as bien mangé. Allô. Youpi. Vous y perdrez tout. Merci. Moi, au prochain Water Crazy, je mange une heure avant le live. vu que c'est exactement pas. Oui, bah bien sûr que oui. Bah bien sûr que oui. Je reviens, je vais me branler. Dallon Dawson. Normalement, vous devez recevoir. Ouais. Vous avez tous fait le tuto, les amis. Oui, il était long, hein. Salut, Dallon. Hello. Oui, okay. Jean, est-ce que toi tu peux inviter d'autres gens aussi ou pas? D'ailleurs, le chat Cacabox pendant. Alors, j'en profite tout le. Qui est en live? Il y en a combien en live? 4. Il y a un monde, hein. Il y a que moi, Terra et KZ. Moi aussi, Mais je le dis au chat Cacabox, vous pouvez parler pendant qu'on joue, c'est autorisé, vous avez le droit. C'est pas interdit, les mecs. Voilà, on n'a pas besoin que de vous parler, donc régalez-vous. Alors, j'arrive. Amusez-vous, prenez plaisir. Jean-Pierre, Mouette, Zibro, Madros, Hugo. Ah, mais les deux autres, ils font quoi au-dessus? Il manque Ryan, mais vous l'avez. Ah, ils font le tuto. C'est pas en amitié, donc faut que tu l'invites. Faut que quelqu'un l'invite. Encore le tuto, c'est pas. Attends, mais juste par curiosité, quelqu'un a Ryan en ami? Ah, pas vraiment. J'ai Coleman, par contre. Ah, mais moi je crois que j'ai Cyril MP4 que je peux inviter. Vous voyez, moi je parlais à KZ au début là. Il était persuadé que Coleman était dans la caca box. Vous voyez les dégâts que ça a fait? Le 5. C'est grave. Le 5, mais c'est sérieux. Ouais, c'est à cause. Bah, je suis en mode Potin, de team caca box. Y a des gens qui me disent, mais Terra qui fait un sa gueule, il va jamais rien balancer sur les youtubeurs qu'il arrête de dire ça. Tu vois les dégâts que ça a fait alors que j'ai rien dit? Oui, bah. On se fout de sa gueule, mais bon. On attend le clear, hein. Et je t'ai dit qu'on fait le contraire. Eh, les gars, dans le chat. L'Oclear, il sait des trucs sur Squeezie, il ose pas le dire. Mais je vous jure, quand il va le dire. Mettez ça sur TikTok, là, vous mettez tous les trucs, là.
Non, je suis pas gay, voilà, c'est bon, vous savez maintenant. Non, oh, ça va. Quoi? Attends, tu sais que j'ai posté ma vidéo où j'explique que je suis pas, mais que c'est pas si grave que ça. Et il y a un mec qui était trop énervé en dessous, il m'a mis. Mais en fait, les gens, ils vont continuer à se branler sur toi, que tu le veuilles ou non. Ça va ou pas? Ça va bien? Eh, tu peux pas m'empêcher d'éjaculer sur toi, potin. J'ai dit, fais ce que tu veux, frérot. Ou non, je me branle. Fais ce que tu veux. Attends, mais t'as vu ta tronche d'ange? Évidemment que je vais me branler. Merci, Jean. C'est pas mal comme complément. J'ai cru que c'était une attaque et... Bon, attendez, bah, quelqu'un va Faut attendre super coin devoir... et tout, parce qu'on va attendre une heure, mais... sinon. Mais non, mais c'est surtout que quelqu'un va devoir ajouter Ray Ackerman sur Steam, moi, quoi. C'est un... Ah non, Ah putain, il y a des limites, quand même. Attends. Bon, bah, je me dévoue. Faut activer le mode streamer, là C'est pour les musiques, mais bon... Mais alors, surtout toi, Kerib. Non, parce que je ne dis pas que ça cache le un code du salon ou quoi. Tu veux voir... Ah, mais je n'étais pas sur Steam, Khaled, là. Si, tu m'as. T'as non, compris la blague. T'es en ligne. Je suis même dans le salon. Je suis dans le salon, déjà. T'es en ligne. Déjà dans le salon, ouais. Attends, fais voir. Jean qui se dédouane. T'es à côté de toi. De quoi? Mais je suis pas sûr qu'on... T'es une bonne âme, quand même. Ah, si, je te vois, là. Bah, tu demandes à Ryan de t'aider sur Steam. Ah, oui. Pourquoi tu ne vois pas dans ma liste d'amis, là? Ah, mais je me dévoue. Parce que je suis déjà dedans, non? Grim peut pas être là, les gars. Tu te mets hors ligne. N'est pas invité. Tu te mets hors ligne. Je suis même pas hors ligne. On a voulu faire avec Kamel, mais ils sont pas dispo. Ouais. Voilà. Tant pis. Par contre, quand avec Flamby. Ouais, j'arrête. Là. Il est dégueulasse ton t-shirt, Kamel. Il est pourri. Tu l'as vu l'extrait ou pas, Kamel? Je l'ai vu et sache qu'on devait jouer avec eux à la base. Ah Flamby. Non, mais tu l'as vu quand Flamby il arrive et il dit que son t-shirt est dégueulasse? Mais c'était gentil. Je l'ai vu et il faut savoir que je suis bien pote avec Kamel. Sache que j'ai vu le clip 3 fois et j'ai mangé trois potes ce midi. Bon, Ryan, vous faites quoi là? J'ai un peu rigolé. C'est bon, j'ai fini le tuto. Et super con. Ajoute super Ryan. Il est là, super con ou pas? Au pire, super con, il fait pas de tuto, c'est pas grave. Mais là, il a fini dans 5 minutes, même pas. Mais on lui a dit de le quitter. Qui a dit ça? Il a chat KZ? C'est quoi ce live chat de merde? Je sais pas, c'est Ryan qui écrit ses tweets en live chat. De quoi? Tu peux m'ajouter sur Steam, Ryan, si t'as quelque chose en froid? Va te faire foutre, ou... Ryan. Hey, Ryan, mets ses tweets sur live chat. Vas-y, allez. C'est quand... Attends, Jean, comment je t'ajoute Steam? Putain, attends, ajoute le code, là. Il y a l'arc Arcane qui arrive pour Ryan. Vraiment. Mon rêve. C'est un vrai tweet ou pas, Ryan? Il est devant. Attends, je regarde live chat. Super con, tu fous quoi, là? Il y a le tuto là, il est long le tuto. Oh là là, mais vas-y, quitte le. Vous avez aucune politesse, vous avez aucune politesse. Bon, si c'est lui le feignant, ça va être chiant. De la signer mon cul. Tu peux régler le nombre de feignants et tout, Terra. Ouais, je sais, mais je vais rester par défaut parce que j'imagine que le jeu fait que. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'arrive. Il sait pas d'ailleurs, des gens sur Steam. J'en profite. Et super con. J'en profite, on baisse Théorus qui nous avait conseillé le jeu et on joue pas avec lui. Voilà. Let's go. En hyper rechange, c'est Ryan qui le remplace, mais merci Théo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans la story de Théo, mais je crois qu'il est en Italie. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Attends, il est où? Il est fort, ça. Théo qui fait des montages Photoshop en étant en vacances. C'est grave, ce mec, quand même. Il est en Italie. Vraiment, c'est grave. C'est bon, Jean. C'est gentil de ta part. Oh, vous avez reçu le chapeau? bien sûr. Je l'ai pas montré en stream parce que tu vois, je suis pudique, mais je l'ai pas montré. Moi aussi. Je l'ai sur la tête tous les jours, mais bon. J'ai reçu, moi. Moi, il passait moi, pas. Ça, t'as reçu, Kazad ? Moi, un piolet en plus j'ai de ça. Un piolet. Moi, j'en ai commandé un sur Amazon pour faire croire que je suis pote à Equinox. Moi, j'ai reçu un morceau de cadavre. C'est sûr, il y en a un. C'est sûr, il y a un streamer qui l'a fait là dans le lot. Oh, j'ai le rose. On est tous prêts ? Bah, super con, il est où ? Si, je suis là. On est 11 là. Alors attention parce que là ça veut dire que il y aura 7 spécialistes, 3 feignants. C'est ça va être le manager, il est compté dans les spécialistes. Ça en fait Le manager c'est un mec qui bosse. Ouais. Okay. Ça, vu le tuto. Je sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. Vous bien paramétrer votre micro in game. Eh, 21 joueurs quand ils vont faire ça aux Z-Event, ça va être on est plus invité. Tu seras plus jamais invité, mon pauvre. Et ça va être IRL, il y en a, ils vont On compte sur Amine maintenant, Terra, c'est pour être invité.
Eh oui. Allez. Madrose. Eh, la taille. Madrose. Ok, on se met ici, c'est micro in-game, les gars, hein, je vous rappelle. Ah oui, c'est The Office. Micro in-game. Soirée CCB. Micro in-game. Vous m'entendez là? Eh oh! Eh, vous avez... je suis sous le lit, je suis sous le lit. Salut. Je suis sous le lit. Attends, attends, c'est quoi ces trucs là? Oh, c'est quoi ça? D'ailleurs, Bump il m'a pas payé là, faut que je renvoie un mail. Salut, vous m'entendez? Bonjour. Il commence vraiment à m'emmerder, Hugo. Bonjour à tous. Bon, je vais travailler. Bref. Allez, c'est qui le manager? Allez, je vais travailler. Je sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Quoi? Voilà. Comment ça, faire une. Hein? Faire une copie? Et faut dire son. Est-ce que le travail? Non, pas. Allez. Oh, bah, les gars, je vais dans mon bureau. Hein. Merci. No. Attends, y'a quoi écrit sur mon t-shirt? Eh, hey, hey, c'est à qui ça? C'est à qui ça? Bonjour, manager! Eh, hey, ouais, je suis le manager, donc on me respecte! On me respecte dans cette entreprise! Vous avez la calvitie, monsieur! Eh oh! Toi, fermez vos gueules! Venez ici, vous! Venez ici, vous! Venez ici, va! Y'a marqué quoi ici? Y'a marqué quoi là? Voilà, on respecte un peu le manager! Tu veux bosser! Y'a moi qui sur l'image! Putain, ouvre! C'est moi. Allez, je verrouille. Qui veut rentrer? Et qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que... Qui t'a permis d'aller sur mon bureau, espèce d'enfoiré? Dégage! Je vais voir à quoi ça sert. Dégage du club! Sors! Oh, je peux te fesser! Oh, je peux être en mode gérant d'Ubisoft, genre. C'est à toi d'ouvrir, je peux pas sortir. Attends. Attends. Fabuleux. Mon PC il est où? Ah il est là. Bon je les enferme dans leur salle de trucs hein. Attends les gars, vous pouvez m'aider un peu dans le chat quand même? Parce que là je... En tant que manager je vais galérer là. Bonjour. Ça c'est fait. Il est où le... Pourquoi Terra t'es pas à ton bureau là? Oh, va travailler à ton bureau là, on va bosser les gars. Une petite pomme. Vous croyez que cette entreprise, vous croyez que la vidéo d'Inox ça va sortir en moins de 10 minutes là? Allez, bougez-vous là. Pardon. Voilà, on travaille. Oh Hugo, regarde. Hop là. On est. Je suis manager, donc je peux. Bougez pas, manager. Je peux te fesser. Attends, tu fesses. Bon allez. Non. Ouvre cette porte là. Non, on va aller en salle de conférence tout de suite là. Votre chemise est dégueulasse. Ouais, bah on va voir en conférence. On va voir en conférence. Aïe. Bougez-vous, salle de réunion. Salle de réunion, s'il vous plaît. Oh, on vient, bordel. Et voilà, ça c'est mon ami. La bise, bonjour, bienvenue. Et tu ressembles, tu sais à qui tu me fais penser? À Dwight dans The Office. Alors, vas-y, asseyez-vous. Il a allumé une poubelle en feu. Non mais vous allez vous prendre une baffe, vous. Vous allez vous prendre une baffe. Non. Il y a pas le feu du tout. Non. Oui, je t'entends faire. Ok, alors déjà on va commencer, on va... Tu vas prendre pour ton grade. Eh, assieds. Assieds-toi. J'ai rien fait, moi. Allez, lui, c'est un feignant, lui. Lui, c'est un feignant, lui. J'ai une info de fois. Alors déjà, je vais... Alors déjà, je vais commencer... God, please, God, no. J'ai juste vu qu'Hugo, il foutait rien et il m'a foutu des fessées au manager. Au manager. Bien sûr, t'as foutu des fessées au manager. C'est Ryan le traître, il a foutu le feu. Ah bah je l'ai promu, merde. Bon bah il est l'assistant du manager. Il a rien foutu, c'est l'assistant pas maintenant. Allez, on fesse. Voilà. Bon, on vire qui les gars? Qui a rien foutu? Quelqu'un a des indices? Super con. Je me permets de repréciser, Ryan a allumé une poubelle en feu. Super con, un vote pour super con du côté de Jean. Kérib, qui a rien foutu? Attends, mais... Attends, j'y filme. Mais attends, mais tu te prends pour... Mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui là? Qui me fout une fessée? Mais tu veux virer dès la première journée? Allez, c'est parti. Mais non, pardon, monsieur le manager. Mais Ryan, il est de sale malade, bah. Dégage, KZ. Bon, raide-moi, je te vire pas, c'est le mec abusé.
Non mais il faut virer quelqu'un obligatoirement les amis hein. Il nous faut des indices. Eh oui. Rayad, allez hop. Mais non. Oh attendez, il y a quelqu'un. Donc quelqu'un a mis le feu à une poubelle alors. Oui. Sans déconner. Qui était proche? Ryan. Il faut que je vous parle. J'ai eu peur. Parce Ryan, tu dis. Il faut que je vous parle. Écoutez, je vais faire un tweet sur Denis Villeneuve, son dernier film d'une part deux. Réponds si t'as rien à te reprocher. Bon allez, c'est parti. Il est viré lui. Allez, bye. Merci, il est viré. Ah là, ça dégage. Ça vire. Regardez, c'était bon, c'était un slacker. Regardez. C'était ah ouais? Ouais. Ah ouais, il y en avait bravo trois. Bravo! Un de moi. C'était un bravo, manager! Ah bah allez. Ah bah allez, on travaille, on retourne travailler. Patron, j'adore ce que vous faites. Ah bah merci, vous savez que moi je suis un agresseur sexuel dans la boîte. Alors, les classeurs, alors. Mec, non mais désolé. Hop, et d'ailleurs je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Hop là, dans le cul de mon employé. Voilà. Eh, ça va, on est chez Ubisoft, les amis. Bon, bah, je vais me prendre un procès pour Ubisoft, ça va, on peut rire. Hein. Bon, qu'est-ce que je dois faire, les gars? Prendre l'ascenseur jusqu'au sous-sol, placer la boîte de rangement sur une étagère. Je comprends rien, les gars. Boîte de rangement? Je peux pas faire un truc sur le PC, genre me branler. Ramasser une boîte de rangement? Bon, je vais essayer de chercher. Ah, c'est trop chiant. Eh, qu'est-ce que. Pourquoi il est de retour, lui? Je t'ai dit, sors de ma boîte! Alerte! Les gars, il y a le connard dans la boîte là! Il y a le parasite! Il y a le parasite! Mais il y a le parasite, Hugo! Attends, j'ai le droit de revenir? Il est là! Qu'est-ce que. Maintenant il nettoie! Mais c'est la ah voilà, tu nettoies, ok, c'est bon. C'est bon, hé, si t'as besoin de nettoyer un truc, il y a la petite salope ici qui nettoie maintenant. Voilà. Merci de le dire. Ça va, on travaille bien, Madrose? On monte pour Carlito? Hein? J'ai tout fini. On enlève les mots interdits dans le montage. Tout ce qui est sur Israël, j'ai enlevé. Ouais, ok, hein, parce que c'est mieux parce que sinon il va se prendre un bashing sur YouTube. Attention. Allez, on travaille bien, les gars. On monte pour one kill, on monte pour one kill. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Oui. Hugo, il y a sa souris qui est par terre depuis 10 minutes et il a l'air de s'en branler. Allez, c'est parti. Ah, il branle rien. Allez. Monsieur Délire. Monsieur Délire! Monsieur Délire! Allez, il est aux chiottes! Ouvrez! Ouvrez! T'es là ou pas? Allez, il ment. Hugo! Allez, tu crois que je t'ai pas grillé? Je les ai grillés les deux. Il chuchotait à Madrose. Mais je le connais même pas. Oui, allez, il chuchotait à Madrose, Jean. Regarde ce que j'ai dans les mains. Nana, tu chuchotais à Madrose. Qu'est-ce que tu lui as dit, Ryan? Je peux sortir, je travaille. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit manager. Patron, je peux pas sortir. Attendez, je vais faire ma tâche déjà, moi. Allez, on bosse là, on se bouge là. Attendez, putain, les vidéos wankill, on va pas sortir comme ça, c'est faut bosser, les gars. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est la V1 de la vidéo wankill. Ah, voyons voir. Tiens, je te fais déjà. Monsieur le manager. Ouais, monsieur, on a eu des accusations graves contre vous. On a des accusations graves contre vous, monsieur. Bah pourquoi? Parce que vous fessez les employés comme à Ubisoft. Oui, bah je préfère ça, mais au moins je travaille, ça me motive. Alors, j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mettez le code, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je regarder les derniers clips d'Antoine Daniel, s'il vous plaît, sur Twitter. Oui, bah j'essaye de trouver le code. Il est pas facile, votre code. Vous avez mis quoi de. Bah, normalement, vous mettez 4 chiffres n'importe lesquels, c'est bon, hein. Eh ben, ouais. Ça tombe bien parce que j'y arrive pas. T'as souris dans la poubelle. Ah, bah merci. Putain! Désolé, hein. Attends, mais c'est bizarre, toi, tu traînes sur mon ordi depuis tout à l'heure, là. Pourquoi ça marche pas, là? Patron! Excusez-moi, boss. Oh, ça va, quoi, je bosse! Oui, monsieur. Il y a Kazed, il a dit, venez, on fout rien. Allez, alors, je vais vous dire, on est entre... Ça, toi, dégage, toi. Toi, t'es dans l'entreprise. Okay, toi, je te paierai 100 euros par mois, toi. Vous devez signer ça. Oui, mais c'est quoi, il y a marqué quoi, là? Je jure allégeance. Patron, il y a un problème! Ah non, il y a quelqu'un qui a mis un virus sur PC. Ah, qui c'est qui est au serveur? Excusez-moi! Oh, c'est insupportable d'être patron! Putain, cette entreprise, elle me fait casser les... Ah, c'est horrible! On peut plus voter là! Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là?
Ah, c'est horrible de bot, c'est horrible d'être patron. Eh hey, Zerator, je m'excuse, t'es le boss. Zerator, c'est il est trop fort de gérer autant d'entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? Ah vas-y. Ah vas-y. En prison pour ça. Ah, je vais me prendre un café, j'en peux plus. Le chat. Allez hop, un peu de jouet. Wouh. Le pire manager de France. Wouh. On fait une soirée. Venez à la cantine tous les employés, on se détend un petit peu. C'est Sévrance, hein, c'est vraiment la scène de Sévrance quand il est fait danser. Allez, on vient se détendre. Ah mais sur service. On vient se détendre un petit peu, c'est pour mes employés que j'aime. Voilà. On se détend. Oula, pas mal. Il y a des bières, il y a des bières. Le dégradé derrière, monsieur Kérib, on vient comme ça là. Bah c'est pas mal, allez, c'est moi-même, non. On se détend, prends une bière. Je rappelle que je suis manager, hein. Ah, je suis bourré, Ah, je suis manager, je me prends une bière. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça bosse bien du coup. Allez, 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 on bosse, je bois une bière. S'il vous plaît, essayez une dernière fois, je peux plus m'en servir. Oh là 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 là, mais détends-toi, souris à la vie et va te détendre à la cafette. Allez, on va se défendre à la cafette. Wouhou! Patron, vous êtes en train de danser. Oui, et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de danser Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez une bière au pied là? Il ne mérite pas de congé. Oh, 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 oh. Il est en train de boire une bière là. Non, mais là c'est n'importe quoi, les gars. Et vous croyez? Vous croyez qu'on va, on va rembourser comment la dette de Dwarf? Développer d'autres jeux, développer d'autres jeux plus vite. Bon allez, Nana, j'arrête des conneries. Ah non, il est bourré. Non. Ah non, arrêtez. Mais ça devient n'importe quoi. Non mais les gars, comment je... Mais j'arrive pas. Non mais j'arrive pas à taper. Appuie. Pourquoi j'arrivais avec sur les boutons numériques de ton clavier? Je fais. Bon, vous. Attention, hein. Je suis manager ici, hein. Eh, y a un nid sur sa tête, hein. Oui, mais merci. Y a un virus, je sais. Excusez-moi, je fais un ménage un peu. Cliquez peut-être sur la section. Ah oui, c'est bon. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Qui fait les poubelles. Rakerman, vous sortez tout de suite. Avec vos tweets de merde sur les animés là. Vous faites perdre l'argent à la boîte avec vos tweets sans aucun analytique. Allez, on y va. Kérib, continuez vos tweets sur les races et tout, ça fait un max de buzz à l'entreprise. Je peux continuer. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon. Oh bah. Mais c'est quoi ça? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été viré. Oh, il a viré. Ils m'ont viré. Je suis dorénavant votre manager. Ils m'ont viré, ces putes. Et je peux pas revivre, moi? Non mais me dites pas, je reste fantôme toute la partie. Il a pas viré quelqu'un assez vite, je crois. Donc faites gaffe. Non, en fait, je crois qu'il a viré. Je viens de dire ou quoi? Non mais je peux pas devenir comme Rakerman au moins. C'est moi ou Terracid a fait virer Potter? Ah faut. À mon avis, c'est encore une histoire des. Ah, il fallait virer quelqu'un. Putain, merde. Des regards valent mieux. Non mais me dites pas que je peux pas revenir pour leur parler au moins. Oh non, je savais pas. Moi, je vais attendre toute la partie. Putain, je vais attendre tout le long. Il est allé dans son. Ah, y'a le feu! Le feu là! Oh, il est bien fait le feu! Ça me fait penser au feu de. Il est où là, les gars? Jeu de pixels là! Vous inquiétez pas, je m'en occupe! Non, mais regardez ce manager! Regardez ce manager de merde! Regardez ce putain de manager de merde! Je leur ferai tous les jours s'il faut, patron! Merci! Bouh! Regardez, c'est Jeff Bezos, il en a rien à foutre de son entreprise. Ça tue des orang-outans, il en a rien à foutre. Merci.
Il faut rien. Il faut rien. Il va aux chiottes. Voilà. Ça, ça, la gueule du manager. Hein. La gueule. Ça va ? Attends, je vais repérer qui est le traître. Pas de serveur, putain ! Tiens, on lance un directeur. Attends, Madrose, je surveille. On remettait les serveurs tout de suite en route là. Madrose, vous pensez que c'est qui là le pourri là dans l'histoire ? Merde. Les gars, entre nous, on arrête de taper. Ryan, il reste toujours près de Madrose. On est en pause. Hein. Petit kawa. On est en pause. Un petit kawa. C'est bon, on est en pause. T'as vu mon café là ? Non ? Bon, allez, ça glande. Attends, ça bugue. Allez, ça glande, les trois ça glande. Les trois ça glande. Ah, ah non, ok. Slowker, ok, Slowker c'est traître. Et il y en a un autre alors. Ah, mais c'est nul qui me spoil. Slowker. Spécialiste. Qui est. Il y a un troisième Slowker, non? Ah, on peut prendre l'ascenseur. Putain, j'ai fait aucune de mes tâches moi. Tu vois ce que je fais ou pas en vrai? Je regarde la note super, ah ouais mais super con mais logique. Super con en fait quoi qu'il fasse. C'est qui monsieur Sims? Putain il est pas mal le jeu quand même hein. C'est vraiment la fête en entreprise. Tu te fous de la gueule du monde. Non j'appelle Jean. Il a pas le flair. Vous voyez ça c'est pas un bon manager ça. C'est pas un bon manager. Attendez. Non mais ça va pas. Oh ça va pas rester longtemps toi. T'es sur le fil. Vous saviez ce qu'il disait sur votre femme? Ce qu'il dit sur votre femme, moi je veux pas dire. Hein. Tu as dit quelque chose sur ma femme? Attention, regardez les deux slackers. Regardez les deux slackers là. Ah. Il peut le tuer ou il peut l'éliminer ou pas? Bah, je suis un gros bosseur. Enfin, je me suis pris un petit kawa quoi. Mais... je peux pas descendre. Je suis dans le World Trade Center là quand les ascenseurs ils marchaient plus. Bon, bah on va rester ici. Non, regardez, j'ai monté. Comment on descend? Comment je descends? Parle à moi. Mais non, mais ça va être. Je vais attendre une heure, les gars, là. T'as besoin d'aide ou pas? Genre pour putain, que ouais, je parle. Faut que je nettoie un peu ton bureau. Non. Comment on ouvre le démineur, s'il te plaît? Terra, il va arriver pareil que moi. Hein. Il va pas virer quelqu'un et on va être mort. Après, moi, j'ai vraiment abusé sur le temps. Non, mais ça va, l'autre. C'est nécessaire ça pour un employé ça? Pourquoi il fait ça? Bon allez lui il est complètement drogué à l'alcool. Il regarde des trucs à terre. Regardez-le lui. Oh ça va. Qui a mis des virus sur le PC de tous des chauves. Putain j'arrive pas à descendre, je sais pas comment j'ai fait. Et juste à côté aussi. Alors. Chiffre, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe, patron? Oh, mais qui s'est caniqué les serveurs? Putain! Attendez, libérez-moi. Bah, c'est pas Jean, il était juste là. Voilà. Oui. Ok. Le slacker, il est où? Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Quelqu'un se pègle là dans les chiottes? Ah non, c'est pas ici. Juste vous dire, c'est pas parce que c'est un arabe, hein, mais j'ai vu quand même Kerib sortir de la salle des serveurs. Ah, mais c'est tous les arabes. Et ben ça fait deux arabes, ça fait deux arabes. Alors, comment je. Allez. Réunion. Il a viré qui? Le patron a demandé une réunion. C'est pas la peine de me gober le chiffre, quoi. Il faut virer tous les traîtres, quoi. T'as les bien. Ça fait trois arabes maintenant, c'est beaucoup, hein. Il a essayé d'hacker mon PC, là, super con. Bon, no, on a God, marre please, des arabes no. Dans le jeu, bien sûr. Je suis d'accord. Regardez qui c'est. Vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Ça, avec la réverbération des ondes. Moi aussi. KZ, tu fous de la gueule du monde? Non, pourquoi? Si t'es vu rien branler, en plus, tu demandes aux gens comment on installe des démineurs sur PC. Non, c'est le patron. Non, je vous ai... Terra est un suceur de Tibro. Il va jamais détecter que c'est un traître. Oui, il était avec moi KZ. À mon avis, c'est pas le foutre douleur. Je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, s'il va installer des mineurs. Mais pourquoi ils nous mettent pas tous un rôle comme ça, je peux leur parler aussi. Bon après, je peux savoir. Moi, je nourrissais les chats avec super con. Et il est pas là. Ah, il faut rien, super con. Ouais, bah ça va, super con. Ça va? Rien à foutre. Soirée caca box pour super con, hein. Ouais. Ah mais viré super con. Rappeler, mais pourquoi Pota il a été viré? Le petit bro pour le je crois qu'il a mis trop de temps à prendre une décision. Il vire bon, super con. Détache, moi, au bout d'un moment, c'est bien drôle de jouer. Ouais, bon. Moi, j'ai du boulot. Allez-y, je vais faire mon boulot moi après.
Mais il a viré qui là? Il faisait des conneries, patron. Super con, il faisait des conneries. Hein? Allez, super con, ça dégage. Si, si! T'es rat! T'as aucune couille! T'as aucun cran! T'es pas un bon patron, mec! T'es pas un bon manager! Sur votre lieu de travail? Non, c'est pas moi, c'est pas moi! T'es pas un bon manager! C'est quoi ce manager? Ah! Sérieusement? Il est où, KZ? Il est parti regarder les mines! Pile à l'heure pour le water crazy. Ah, le mauvais manager, frère! Il avait super con! Suceur. Mais attendez, il a toujours pas voté, il va se faire des. Il est sorti de la salle des serveurs et il marche. Deux minutes. Je croise les doigts pour que Terra aille. Il marchait plus. Very good. Il est trop bizarre lui. Bon, super con, ta place au sein de la boîte, je te cache pas que. Allez, vire-le. Allez, casse ton salope. Tu fais des réunions. Tiens, dégage. Mais j'ai raté. Deux fainés en restant, c'est spécialiste. 5 litres de propriété ici, hein. On a rien foutu, hein. Bon, je suis désolé, c'est pas une question de... Ah, mais vous avez compris. Super con, mais... super con. Voilà ouais. Voilà ouais. Ah. Voilà. Oui, ah. Raison. Voilà. Je suis super content pour diverses pas raisons. Patron, je peux avoir une augmentation, s'il vous plaît. Regarde-le, lui. Regarde-le qui fout rien aussi. Regarde-le. Si t'entends des bruits qui viennent de la salle à côté, n'y fais vraiment pas attention. Quel genre regardez de... ce qui... Regardez, oui, oui. Courage, Hugo. Oh non, le son, il grésille. Les mecs, on leur envoie des mails, ils répondent même pas aux mails. Connard. Oh non. Oh non, s'il y a des bugs vocaux comme ça, ça va être chiant. Attends, je me décale. Non, les autres ils me voient pas, mais je sais même pas où est super con là. Patron! Patron! Non, mais toi, j'étais en train de fumer après le tour de la nuit, t'as bossé! Oh non! Avant que je sois promu, t'as dit quoi? T'as dit ouais, FD, on fout rien! Non, c'est pas vrai! Tu me l'as demandé! Bon, ça va m'emmerder là! Travailler là! Pardon, merci! Monsieur le manager, vous me répondez plus. Oui. Ah putain, mais vous. Vous avez je peux pas régler ça. C'est bon, il y a un PC. Merci beaucoup. Oui. Merci pour l'info. J'adore mon boulot, j'aimerais travailler toute la journée. Ah, vas-y, c'est juste le jeu K-Bug, je suis dégoûté. Ah, monsieur le manager, est-ce que vous pouvez me signer ce document, s'il vous plaît? Venez. Frère, j'ai pas de chance, je me suis fait éliminer direct. Et après, je dois... Et vous m'entendez... Vous m'entendez pas grésiller sur le stream? Ça a déjà bugué sur d'autres streams, vous le savez ou pas? Ah, pas de chance, moi. Bah, je peux pas faire grand chose du coup. Parce que si je quitte la partie, je vais plus rien voir la partie, quoi. So, sorry, can wait. Est-ce qu'il est encore lui là? Ah, il est à l'intérieur, je crois, dans les serveurs. Non, mais KZ, c'est normal, c'est parce qu'il est joueur. Tibro, il faut rien. Y'a du feu! Y'a du feu, Hugo! Hugo! Allez, c'est lui! C'est lui qui vient de l'allumer! Ah merde! Attends, je vais en chercher un! Au feu! Au feu! Vous pensez si j'active mon truc. En fait, si je redémarre ma carte son, je pense que ça va être insupportable. Organisé. Oh, ils sont les casseurs. Hello, j'ai une OP pour vous. Ah ouais, c'est quoi? Ah, désolé, je viens de me souvenir que je ne suis que un employé. Je ne peux pas vous donner d'OP, désolé. Yo, patron. Si tu m'as viré, si tu m'avais pas viré, peut-être que j'aurais des OP, mais il est dans le coin.
c'est quoi cette merde? Eh, ma mission est bug. Tu vas faire quoi? KZ, t'as pas agréé. J'ai pas, frère. Oh, le succès. Ouais. Ah, j'ai faim sa mère. Ah, les mouettes. Allez, patron, ça y a un problème. Votre KZ, il veut pas travailler. Je vais au sous-sol. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, c'est bon. Putain, c'est chiant, frère, avec que des bugs de son. Qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Mais il s'amuse, KZ, sur le jeu. Ça va? T'aimes bien? Quelqu'un l'a brûlé dans la poubelle. Il bosse vraiment. Il trouve des concepts, là, pour l'entreprise. Ça, Kérib. Kérib Kassim. Kérib. Qui a jeté mon papier? Qui c'est qui a jeté? Oh, des Malboro? Qui c'est qui a jeté tout ça? Patron, je vous garde. Des cigarettes, faut que je fume. Allez, regardez, vous voyez? Vous voyez comme cet abruti de terrain va se faire avoir? Il va se faire avoir! Et regardez tout votre KZ. Bon, c'est un rêve ou quoi là? Je tenais à vous dire que votre cravate rouge fait ressortir le blanc de vos yeux magnifiques. Mais c'est un mail privé, c'est un mail personnel. C'est pas ma bombe. Si vous voulez baiser, je suis au pied de bar, franchement. Bon, petit bro. Ah, c'est bon. Je savais pas que tu pouvais faire des mails et tout. C'est pas possible ça. Ok, donc ça envoie vraiment les mails du coup. Non, c'est du phishing. C'est un classique. Ouvrir les chats avec moi là. Ouais. KZ, tu veux venir voir les chats? Non, tu les as déjà vus toi. Non, j'ai pas vu. Bah, ouais, moi, il est où le. Bon, Tibro. Il est où Tibro qui fout rien là? Ma souris. Alors. Allez, regardez, vous voyez? Pas compliqué pour Tibro. Oh, il y a juste. Comme il y a foutu une baffe. Il y a juste à sucer Terra pour l'avoir dans sa poche. C'est pas compliqué, elle, hein. Elle était encore. C'est comme ça, Kaiser, il est modo depuis 10 ans. Hein. Je voudrais décrocher là. Vous voyez? Allô? Je voudrais. Pas compliqué, hein. Le pas téléphone. Oui. Utilisez le téléphone. Yep. Je voudrais 100%. Qu'est-ce qu'ils font les autres, là? Il est où, Hugo? C'est qui, ça? Ça, on le dérange pas, lui. Mais qu'est-ce qu'il sert à quoi, du coup, lui, vu que c'est un ancien traître? Oh, une 40! Ouais, je joue un peu à Snake quand même. On peut se faire tout seul. Terra, il est en retard. Vas-y. Lui dites rien, il va se faire tuer. C'est possible ça. Il va se faire tuer. Non, n'y va pas. Voilà, parfait. Voilà, va par. Va parler avec des gens. Il reste combien de temps? Allez, plus vite! Plus vite, il va arriver! J'en ai marre, y'a pas que moi qui dois mourir sans savoir là! Allez! Vite! NON! Allez hop! C'est trop un suceur, vous êtes trop des suceurs dans son chat, je suis sûr que vous lui avez dit. Tira! Attention! Attention, Tira, il reste 50 secondes! Patron, je veux pas dire, mais j'ai dit à Hugo qu'il y avait une réunion, il a dit « Ah, mais je vais finir ma partie, attends. » Bon. Il fait quoi, Hugo? Tibro, vous avez vu? J'en ai trop marre. Il a tout compris comment brosser dans le sens du poil Terra et le mettre dans sa bouche. Pourtant dans la boîte. Ah merde. Oh là là. Eh ouais, bravo manager. Bon allez, je vais dire de voter contre le manager. C'était un bon ce mec. Allez, je leur dis, votez. On le savait tous. Votez contre le manager. Bah quoi, vous avez merdé. Vous êtes le prochain, hein. Non, j'ai rigolé. Je leur dis tous de voter contre le manager. On peut le faire, ça, non? Mais je peux pas. Là. Là, ici, là. Là, ici, Madrose. T'es con ou quoi? Putain, j'ai un appel entrant en plus. Comment on fait pour. Ouais. Mais je peux pas ouvrir! Il est bloqué! Regardez, ils sont tous là pour voter contre le manager!
comment c'est pour voter les gars? Je peux pas voter. Moi je peux pas voter. Ben oui mais les gars, faut attendre. Je peux pas voter, il y a un truc de 45 secondes ces abrutis. Hein. Vous inquiétez pas le chat si vous sentez con. La cacabox là aussi. Hein. Il y a marqué quand même. Ah merci Mouette. Heureusement qu'il est ingénieur Mouette. Hein. Il y a 36 secondes là. Regardez comme ils sont tous là. Mettre un truc. Non, tu prends pas la tête. Les gars, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut remplir un papier? Dites-moi ceux qui ont déjà vu le jeu. Ah, ok. Faut faire quoi? Faut aller écrire un papier? Alors, moi je l'attends. Faut pas mettre un papier, un papelard à l'intérieur? Mais attends, je vais dire à. Je ne suis qu'un concierge, mais je peux vous donner un conseil. Attends, il est où? Faut faire. Bloquer un blanc. Ah oui, merde. Encore un arabe si possible. Pourquoi? T'as une idée sur le blanc? Ouais, t'as une idée? Révolution. Mmh, c'est vrai qu'il se fait discret. Ah, remplacez, vraiment. Vote, allez, vote against. Faites vote against. Ah non, vote ça l'enlève. Against. C'est bloqué, c'est bloqué. Oh non, c'est bugué. Vote là, quoi cette merde. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez, allez. Vote. Mais putain, ils sont nuls. Non, il faut faire vote fort, mais ils sont cons quoi. Bonjour monsieur le manager, et il y a des serveurs qui sont cassés hein. Oh là là. Ah bah le patron. Ah bah le patron. Mais c'est qui nous a enfermé de l'autre côté là? Vite, j'ai voté. Il est tout seul dans sa révolution. Ah le gros. Ah le gros traître. Y'a pas honte de faire ça. Y'a pas honte de faire ça. C'est une honte de faire ça. Parce qu'il a dit. Là, comment on vire le patron? Allez, moi je vote pour le patron là. Ah, j'en ai marre! Le prochain que je vois devant cette boîte, il est viré. Écartez-vous. Il a viré un révolutionnaire, vous allez vous laisser faire? Allez hop, patron. Vous allez vous laisser faire, putain? Les gars, réveillez-vous un peu! C'est quoi ces conneries? Moi je gère la révolution via Telegram, les gars, je leur envoie des messages. Sortez. Mais c'est des malades! Hop, hop, hop! Tu veux te virer toi? Dégage la boîte aux lettres. Non, il peut pas voter plusieurs fois. Bon allez, c'est mort. J'ai une question. Déjà. Mais ah, pourquoi les gars ils oh, ça là. Oh viens là. Comment ça? J'étais assistant. Les gars, quand ils votent, il faut qu'ils fassent quoi? Pourquoi ça marquait un vote sur 6 cet instant V? Quelqu'un sait? Je suis pour rien. Ça pourrait à tout ça pour okay, hein. Quelle honte. Regardez ces suceurs. Regardez ces suceurs. Regardez-moi ce suceur là. Par un coin. Oh le mais c'est tellement facile de dans la fosse de terrain mais. Mais ça c'est l'histoire de sa carrière ça. Allez hop. Mais Heiser, je l'aime beaucoup. Heiser mais oh là là, Heiser, c'est il est vraiment sympa quoi, il est vraiment drôle. Allez bosser là. Mais pourquoi je peux pas parler à Jean là? C'est pas juste. Kirib est une pute hein. Ouais bien dit monsieur, je vous entends. Kirib est une énorme pute. Vous m'entendez, je suis votre fantôme. Kirib je le déteste, c'est une pute. Kirib est une pute. Mais une révolution. Eh au boulot. Au boulot toi. La gueule toi. Ah, je préfère. Je le suis dans sa révolution. Bon, il est où le patron là? Il fait ça intéressant. Monsieur le manager. Putain, je vais dire à Kerib. Je vais dire à Kerib. Ah bah quand on a besoin de moi, je vais faire comme ça. Eh, au boulot toi aussi là, au lieu de boire du café là, au boulot toi. Je suis concierge, je ne fais plus rien faire depuis le début. Je dis que le manager est un harceleur sexuel. Il nous frappe, il vire les bons travailleurs pour qu'on mène une révolution donc. S'embrasse. Vote contre lui alors. Non. Votez contre lui, mais pour qu'on ait discrètement un pourcentage. Mais attendez, il faut mettre vote against ou vote fort? Vote fort, non, c'est voter bah, pour. Mais oui, il faut against. C'est pour que tu changes lui. Non, faut mettre vote fort ou against. Vite le chat. Vite le chat que je leur dis. Bon allez. Okay, ouais, allez. Vite, dites-moi pour virer Terra, comment ils font? Ah oui, bah, un peu fort. Courez. Vote fort. Ah il l'a dit hyper fort. Non, c'est vote fort pour virer le manager. Oh, regardez-le. Depuis tout à l'heure, je les engratte. Ah oh non. C'est une honte. Mais c'est une honte. Oh, c'est moi. C'est moi. C'est... Bonjour,
C'est une honte de faire ça. Mais de virer. C'est moi le manager. Mais de virer, mais de... C'est une honte. C'est une honte. Vous êtes un très fort manager. J'étais un révolutionnaire. Que un blanc était un fainéant dans cette entreprise. C'est vous me dégoûtez là, les gars. Vous me dégoûtez. Bon, par contre, Tibro, ils vont le repérer au bout d'un moment ou pas? Mouette, bon, bah la weed est légalisée dans l'établissement. Donc, on va commencer à se faire des rails de shit pour monter les vidéos d'Inoxtag. Allez, on bosse, les gars, là. Mais vous voyez, c'est mon âme de manager. Je sais pas rien, c'est en moi, c'est en moi. Ah, Hugo, il a commencé à repérer. Ouais. Voilà, Hugo, il a le flair. Hugo, il a le flair. C'est comme les mecs qu'on a viré Kakabox. Voilà, regarde, petit Kawer, regardez. Gros traître. T'as besoin, ça commande, hein. Tu fous quoi toi, Madros, avec ton donneur? Ah, encore! T'as la Focusrite, je vais la baiser. Ah non, ça s'est remis. Bon bah là, ça a bugué 10 secondes. Bon, Madros, il travaille. Bon, Hugo, c'était toi qui as le flair normalement. C'est avec Hugo que j'ai repéré les merdes de la cacabox là. Hugo, ouvre les yeux un peu. Il y a des gens dans le groupe keyboard. Qui pensent qu'on buzz. Hugo. Putain. Le mec, t'as pas vu le mec qui suçait le patron. La nourriture pour et ça, le manager. Où, putain, c'est lui le traître, bordel. C'est des putains de secours là. Normalement, il a le flair ce mec. Il est où l'autre enfoiré là? Regardez-le, regardez-le. Il continue. Attends, il continue. C'est mal les trucs leur... Ah non, c'est bon. C'est bon. Que le manager, tu reçois des emails. Pour que le manager il dégage. Bah où je les ouvre moi? Oh bah non, j'ai mis fort. Où je les ouvre tes emails? Non, 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 faut mettre fort. Il en faut encore deux. Ah yes. Non mais c'est... Mais regarde. Mais ah non, c'était Hugo. Hugo, réfléchis un peu, ils viennent de virer moi de sans raison. Hugo! Patron, ouvre tes poings! Voilà, ouais, voilà, vous voyez! D'une mutinerie, j'ai été embrigadé. Je suis la taupe, Madros. Bon, allez, on va être contre lui. Et voilà. Mais Hugo, il joue qu'avec ses sentiments! Il joue pas en réfléchissant! C'est Tibro, c'est Tibro! Il est con, Madros! Il est con, Madros! Mais Madros, il a pas compris qu'il était spécialiste, abruti! Attends, c'est normal, oui, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer là! Et je vais leur mettre une punition après. Kérib. Alors vous avez remarqué des... Hugo et la taupe. Vous avez remarqué des choses ou pas, Kérib? Mais Madros est un abruti. Il voit pas qu'il y a un mec qui suce à chaque fois le manager. Pourquoi Ryan il est pas sur la liste? Bon, moi j'ai envie de voter Madros en tout cas. Bah oui, comme par hasard. Putain mais... Fils de pute. Oh, c'était Tibro là. C'est le suceur depuis le début. Eh oui. C'était Tibro. Connard, tu m'entends, Hugo? C'est pas possible. Il m'entend pas. Eh oui, bande d'abrutis. Bande d'abrutis. Impossible de trouver le salon. Bon, j'attends qu'il m'invite. Du coup, les mails que je reçois quand je suis mort, ça sert à rien, quoi. En tout cas, il est très drôle, le jeu. Mais j'ai envie de jouer employé, moi. J'attends qu'il m'invite. Alors, Terracine m'a invité. Allô? M'entendez là? Ah non, ils m'entendent pas dans le lobby. Allô? Ah mais non, mais on m'entend ici depuis tout à l'heure. Arrête. Hugo. Hugo. Le flair. Le flair, le suceur. Allez, flairer le suceur. Tibro, la sale pute. Tibro, la sale pute. Je le dis. Pourquoi vous entendez que des mecs? Mignon, je promène. Listen up. Ok. Donc là, on a déjà lu ça.
Bon, c'est ça, ça bug ou quoi? C'est parti. Bonjour patron. Ah mais je déteste ça, j'ouvre les portes. Eh c'est please God no, please God no. Attention, j'ai de la sauce, tomate. Vous voulez baiser? Pas vraiment une salle dégaine, toi. Pas vraiment une salle dégaine. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux qu'on se... Viens au parking, on va... je vais te défoncer la gueule, viens ici. Viens au parking. Trou du cul, va. C'est où le parking? Quittez, toi, tu bosses déjà? Allez, plus vite! Les serveurs! Les serveurs! Toi, dès qu'on trouve le parking, je te défonce la gueule à coup de hache. Tu m'as compris, salope? Oh mais j'en ai marre, frère. Eh j'en ai marre. Eh belle jupe hein. Ah, tu m'entends là, Hugo? Ouais, je t'entends. Putain, la Focusrite elle fait bugger le jeu, casse tes couilles. Ah, je t'entends parfaitement là en plus. C'est chiant ce truc. Bon, en tout cas c'est... Hugo, Hugo, Hugo. Il est trop ça, eh, tous ceux qui ne connaissent pas cette masterclass de The Office peuvent aller se faire foutre. Attention, il y a le gros qui a fait tomber son chili par terre. Ça faut vraiment avoir... Bah toi, tu t'es vraiment mis au goût du jour, quoi. Il s'est vraiment mis le look normal. Bon, Terra, viens voir. Ouais. Alors, je vais te régler ton compte au parking, toi. Il est où, Kérib? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais lui péter la gueule, lui. Ah bah c'est où? Y'a pas un endroit pour sortir? Bon allez, le manager. C'est le bureau du boss ici, hein. Allez, ramassez le paquet de cigarettes, je prends sa tasse. Eh, tu sais quoi? Rien à foutre. Eh, Michael Scott, de toute façon, je l'ai jamais aimé. Hop, rien à foutre. Eh, ça pue la weed, ton manager office, bouffon, va. Sur le sol, la clope, j'en ai rien à branler. Attends. Salut. Rien à foutre, rien. Oh, bonjour, monsieur. Sors. L'imprimante et il veut pas me le rendre. Ah bah c'est sûr. Il y aura pas de prénom. Non, il est à moi. Il est à moi. Mais oui. C'est ça. Alerte, alerte. Voilà, okay. Tiens, si. Les gars, on a un problème, on a un gros problème. Merci. On a un gros problème. Cette personne m'a vendu des cigarettes. Là, ici. Ah, merci. Qui est le... Monsieur Connery. Cette personne là-bas, là, le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il m'a vendu des clopes. Et il utilise l'entreprise pour faire passer des camels et des trucs comme ça. Celui qui a lui là, il vend des camels et des Marlboro, il vend des cartouches. Il vend des cartouches. Pas que ça si vous voulez. Il vend des cartouches dans l'entreprise. Fouettez-le un peu. S'il vous plaît. Je vois rien, moi. Je viens de venir, je suis un internant. Bon, allez. Je me fume. Paquet. Profitez, monsieur l'assistant, profitez. Et rien à foutre, je suis l'assistant du manager. Rien à foutre, je peux tout faire. Monsieur le manager, sur votre assistant, oui. Vous permettez que je me fume une grosse clope à côté de vous? Tu peux. Tu peux masser les pieds aussi. On peut pas. Attendez, je peux peut-être vous... Tenez, une clope pour vous. On serre la main? On serre la main? On se serre la main, allez. Voilà. Faites ce que vous voulez de moi. Péguez-moi s'il le faut. Allez. Je vais me faire péguer. Mets-toi. Oh, regardez, c'est le Z-Event. Regardez, c'est le Z-Event. Que des blancs. Qui ont l'air très heureux. Où, les arabes, monsieur Hugo, regardez, ouais. Le Z-Event nous a envoyé une photo. Non. Regardez, on a juste ici tonton. Là, on a Astérix. Oh, Mister MV. Putain, c'est trop chou, quoi. C'est trop chou. Par contre, je vous demandais de sortir du bureau du manager, là. Je travaille avec lui. Patron, j'ai vu Thibaut dessiner des bits sur son ordinateur. Thibaut, il fait des bits. L'ouvre ne reviendra pas. Placé. Réponse du manager, non. Ah, bref, vous comprenez, manager. Bon, pendant que le manager n'est pas là, je vais aller... Bon, ouais, quoi, je profite de mon statut. Faites quoi, là? Alors, bon, je sais pas, je glande. Je suis assistant. Ah, je vais appeler Kérib, tiens. Il y a un P2, monsieur Madrose. Tu sais que dans 3 minutes, tu veux tirer? Vas-y, je viens.
Monsieur le manager, j'appelle Kérib. Pardon. C'est mon bureau là. Non mais j'appelle Kérib. Vous savez que dans 3 minutes vous allez être viré si. Faut virer quelqu'un, monsieur. Faut virer quelqu'un, monsieur le manager. Ouais. Putain. C'est de la frappe, hein. Là, je suis pas de loin là. Eh, hey, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Tu l'as vu le poster du Z Event là, KZ? Ouais, je l'ai vu. Ah, le Louvre ne reviendra pas. Va falloir virer quelqu'un là. Hein, qui fout rien. Monsieur Kérib, qu'est-ce que vous foutez? Je suis assistant du manager. Bureau, je cherche mon bureau. Je l'ai oui, vous cherchez votre bureau. Ça fait 10 ans que vous êtes dans l'entreprise. Moi, je suis assistant du manager, monsieur. Hein. Bon, allez. Sur moi maintenant. Quel manager, tu peux laver l'avance, bon, allez. Moi, je te le dis, moi. Attendez. Ça va pas ou quoi? Tiens. Vous m'entendez? Oh! M'entendez là? Monsieur Kérib, okay. Monsieur Kérib. Monsieur le manager, monsieur manager, je suis votre assistant, monsieur le manager. Monsieur Kérib m'a fouetté. Monsieur Kérib m'a fessé. Kérib m'a fessé. Et vous parlez. Mais pourquoi il l'a tué? Mais pourquoi vous l'avez tué lui, monsieur? Mais non, ah ouais, pas mal les spécialistes. Mais c'est Kérib qui m'a fessé. C'est Kérib, il a confondu KZ et Kérib. Bon, c'est pareil, hein. Je peux t'assurer que ça en restera pas là. Ah, gentleman. Bon, alors. Qu'est-ce que je dois faire, là? Mais la tâche de gros pédophile que j'ai, hein. Oui, bonjour, j'étais au chiottes des gentlemates. Merci. Voici les chiottes des gentlemates, monsieur. Tibro, venez. Tibro, venez dans les chiottes des gentlemates. Je suis un peu cuit. Bon, bah, ma vanne n'a pas forcément marché, hein. Alors, j'ai besoin de votre aide. Mais ils m'entendent là? Madrose! Impossible de. Ah oui, bon, insupportable. Je m'en doutais. Madrose! Est-ce que je peux jeter un oeil? Oui. Ah, c'est bon, mon micro il marchait plus, putain. Oui, ça marche. Oh, c'est du bon boulot ça! Merci, c'est moi. C'est un virus! La chancla! La Allez. Putain, il m'entendait pas, mais je me disais, vous rendez compte, j'ai vécu ce que Grimm il vit toute sa vie. Personne l'écoutait pendant une vanne. Bon, allez. Alerte! Bon, elle est où cette tâche là? Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites là? J'inspecte les chiens un peu. Oh, on peut les caresser? Monsieur le manager, vous travaillez bien? Je caresse juste le blanc. Monsieur le manager, j'ai fait le travail pour vous à votre place. Monsieur Kérib a des choses à se reprocher. Notamment fesser le cul des employés. Visiblement, ça dérangeait personne. C'est vrai. Fesser le cul des employés alors qu'on est en plein travail. Mais bon. Des employés modèles qui plus est. Monsieur, bon, poussez-vous, j'ai une livraison. C'est Terracide. Attends, on voit bien que Terracide est dans la pièce. Et attends, il vient de péter les serveurs là. Ça va, mais. Il vient de péter les serveurs. Quoi? Mais comment c'est possible? Jean! C'est pas moi! Qui a tué? C'est lui! C'est lui, il l'a tué! Mais comment il peut le. Attends, mais il peut pas le tuer! Non, ils ont voté! Ils ont voté à la salle de conférence! Eh vous là! Eh vous! Pourquoi vous avez voté contre notre manager? Pourquoi vous avez voté contre le manager? Attends, mais regardez, la photo elle est magnifique! C'est moi ou vous? Mais ils branlent rien? Déjà, je vais par ça. Putain, mais. Eh, Jean! T'es où, Jean? MNKWE! 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 On est d'accord de ce qu'on a vu, et ça restera dans les annales. Monsieur Potatoes! Oui, j'ai de votre bureau, ça va. Je peux être assistant? Ah, vous pouvez? T'es déjà assistant, en gros. Ah, bah, je suis assistant, bah voilà. Eh ben, monsieur le manager, monsieur le manager, je promets de vous faire des assets de live. Allez, on se met au boulot. Je suis manager. Bon, je vais quand même passer aux chiottes. Allez, on ferme. Bon, on laisse ouvert, de toute façon, si quelqu'un veut me mater le cul. C'est bon? Couler un bronze. Ah bah, ben, on va couler un bronze. C'est puéril.
Qu'est-ce que c'est puéril? C'est... Vous m'entendez? Allô? Ah non, mais ça baisse. Mais mon voice mode, il est mort. Dommage, je pouvais pas mettre mes trucs. Tant pis. On va jouer sans voice mode. Du coup, je peux... Non, mais non, mais... Bah, c'est... C'est les tacos dégueulasses de Grimm, hein. Il me les a fait goûter. Comment se sortir? On a le droit de se... Bon, on se lave même pas les mains dans cette entreprise. Monsieur... Monsieur Hugo, je peux vous voir dans votre bureau? Ouais, dans votre bureau. Monsieur Terracide, est-ce qu'on l'a vu ensemble? Monsieur Terracide, Monsieur Racide. Michael Scott, il regarde Toby et qui dit alors, tu sais, pendant qu'il fait le psy. Ok, alors, j'en ai une autre, t'es prêt? Regarde, vas-y. Je me mets là. Je vais vous dénoncer, je vais vous dénoncer au manager, les deux. Non, attends, c'est juste que... Attends, regarde et tu comprendras. Je peux faire partie de votre club de lecture? Ah putain, elle est énorme. Attendez, j'en ai une. Vous pouvez fermer? On en a gros. C'est pas la bonne. Ah, Monsieur Terracide, venez voir. Monsieur, venez. Écoutez. Pro Rackerman. Voilà. C'est fait, c'est déjà dit. Mais je vais tout de suite le dire à mon assistant que j'aime beaucoup. Mais t'inquiète pas. Monsieur Hugo, je voulais vous parler mais j'ai pas trouvé Monsieur Acide. Visiblement, Monsieur Rackerman n'a pas l'air de beaucoup travailler aujourd'hui. J'envoie des mails. Exactement. Patron, j'ai vu deux feignants dans la salle en train de s'amuser. Je dirais même que c'était Terracity Bro, mais ce n'est que... Non, alors, boss, s'il vous plaît, on faisait des refs à The Office. Non, il se détendait. Je dirais qu'il se détendait. Moi, je trouve ça bizarre quand même que de vous-même, Monsieur Acide, c'est un comportement de suceur. Hein. J'ai un scoop pour vous. Venu me dire que Rackerman en était un. Attention. Alors, j'ai un scoop pour vous. Les gars, pas que vous le diriez à voix haute. Tout à l'heure, les serveurs ont shut down, comme on dit dans le milieu de l'office. Oui, à cause de qui? Et qui j'ai vu sortir de la salle? Alors monsieur, juste, en fait, je vais vous, demander, on est, alors monsieur Hugo, on est une entreprise de blancs, j'aimerais qu'on le reste. Bon bah allez, vous m'avez convaincu, allez c'est parti. Bravo! Va nettoyer, conseil. Mouette! Bah non! Ah bah non, monsieur! Bah non! Ah monsieur! Non mais là c'est pas possible, non mais là, s'il vous plaît, toi, je vais te tirer au couteau, je supportais pas les gaillards comme toi. Je me suis battu pendant des années. Ah ouais? Tu vas pas me détruire le rêve américain, enfoiré, va. Quand Trump va passer, c'est fini pour toi. Ouais, bah je suis mieux payé que toi déjà. Eh, je suis assistant manager, mon pauvre. Je peux tout lui dire à Trump. Vive Trump! Vive Donald Trump! Vive Donald Trump! Je vous garde. Monsieur, vous avez fait une grave erreur. Je vous avais guidé vers quelqu'un d'autre. Dégager, il m'a énervé. Il a fait... Oui, bon, j'adore les chats, c'est... Oh! Ah bah tiens. Wesh, bourré. J'ai fait une connerie, j'ai bu de la bière. Hey, attends, il va virer quelqu'un alors qu'on Ah bah non! Ah, il était slacker. Ok. Ah bah donc Rackerman est propre alors. Ah attends, désolé mais je dois te mettre une fessée. Pourquoi? Bon attends, tu te la prends aussi toi. Eh viens on va se mettre. Moi j'ai plein de missions, genre je dois te doigter dans les chiottes, viens. J'étais en train de chier. Viens. Je dois vraiment, j'ai une mission. Le gros pédophile qui dit qu'il a des missions à des gosses. Désolé, j'ai une quête l'enfant de 8 ans. C'est une quête de niveau 500, désolé. Non par contre tu bosses pas là. Je vais le dire à... Bon allez, je vais le dire au manager.
Juste, monsieur Kérib. Oui. Est-ce que vous pouvez surveiller un certain Tibro, s'il vous plaît? Oui, bah il faut rien dans les toilettes, venez voir. Voilà. Voilà. Il c'est bien. Se taper un café, on vole le PQ. On vole le PQ. On peut plus se torcher. Mais non, en fait. Ouais. Je viens de remettre. Fermez, fermez. On va fermer. Non, vous restez ici. Restez là-dedans. Restez là-dedans. Restez là-dedans. Il y a une réunion là-dedans. Fermez. Pardon. Et comment on lit ces putains de mails, monsieur KZ? Parce que j'ai une opportunité. J'ai une opportunité au lit. Ah, c'est vrai! Que je veux pas rater. Monsieur God, lisez vite vos mails. L'opportunité Oli vient de tomber pour aider l'entreprise. Bon, allez, bah, je vais signer. Et c'est moi qui vous l'avez trouvé. Je sais pas quoi dire. Je suis alcoolique. Pas comme certaines entreprises, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, attendez, je suis le médiateur. Quelles sont les origines de ces deux personnes? Kérib ou... Toi, monsieur Jean, quelles sont vos origines? Je suis blanc et français. Et Kérib? Ouais. Tout pareil. Non. Bon, on a affaire à... On a un coupable. On a un coupable. Coupable et fainéant. Monsieur Ryan, vous savez que le micro marche, hein? C'est vrai. Mais j'étais concentré. Je peux pas étonner, drainer sa tête s'il vous plaît. Monsieur, je fais des choses en même temps, vous voyez, parce que moi, j'ai des doutes sur deux. Oh là 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 là. Je vais chier, hein. C'est fatigant d'avoir envie de chier à chaque fois. Bon. Allez. Couler un bronze. On se détend. On se détend un petit peu comme il faut. Tranquillement à base de pompelope. Non! Manager Hugo! On m'a tripoté dans les chiottes! On m'a tripoté dans les chiottes! Monsieur Tibro! Monsieur God, je vais venir, venez voir. Attendez, non, je dois ramener Tibro pour le mettre face au fait. Monsieur Tibro, monsieur Tibro, venez. Que lui, venez. Vous pouvez regarder votre victime, Tibro, ce que vous lui avez fait. Oh, les petits chats mignons. Non, 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 mais les délires. Les délires, oui, Astérion et tout, ça va deux secondes, mais là ça va trop loin, quoi. Vous avez mais touché à la couche, monsieur Tibro. On peut plus faire de blagues, on a plus le droit de rire. Vous avez touché à la couche? La vie était oui, bon il y a plus que touché, il a fait des choses horribles. Bon, il a même avalé la litière. Il a avalé la litière comme des Kellogg's, des snacks. Non, 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 non. Il a mis du... Monsieur God, il a pris la litière, il l'a mis dans un bol, il a mis du lait, il a dit « Oh, petit déjeuner de ce matin !» Comme des lions. Bon, allez, pause bière, quoi. Comment ça, suivez quoi? Oula, monsieur le manager, faites attention, hein. Il reste combien de temps pour le manager? C'est où le temps pour le manager? C'est où le temps? On peut pas lui dire au manager combien il lui reste de temps? Il y a là, on peut replacer. Ah non, 3-18, ça va. On bosse bien là. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait une demi-heure qu'il y a ce dessin sur le PC. Bon, putain! Putain quoi! Mais c'est faux ça! Tu te forces? Alors, je suis en train de travailler. Pipoulou kata kitikum pompam! Tu veux aller nourrir les chats avec moi? Non, ça va aller, je sais ce que tu leur fais après les nourrir. Tu les appâtes et après tu fais des trucs pas très. Oh là là! Pourquoi? Ah non! Monsieur manager! Lui ma souris! Qui m'a volé monsieur manager,
Manager. Ah, manager de... Il est en train de faire une copie. Oh, les clés. Ça sert à quoi, ça? Bon, je mets les clés du manager. Voilà. Monsieur manager, il vous reste 2 minutes pour voter. Est-ce que quelqu'un peut me séduire? Je suis la connasse dans la série. C'est elle qu'il faut séduire. Ah, tu t'es TP. Virus ici. Monsieur le manager, virus. Il y a une réunion. Virus détecté. Bon, il y a trop de virus. Bon, monsieur Madros. Oui, on va voir. L'entreprise est dans un état piteux. Il y a des virus partout. Il va peut-être falloir se réveiller. Oui, j'arrive, monsieur manager. Alors, j'aurais pas mieux dit. Ça me fait plaisir. 1:46, monsieur le manager. Bon, j'ai aucune idée de passer. Gazette, j'en ai pas vu beaucoup. Mon PC, vous ne voulez pas le débrancher, enfin le rebrancher. Je ne peux pas. Il y a un virus, monsieur God. Alors il faut faire la souris sur le carré pour écrire. Et après tu écris. Ouais, mais je peux même pas bouger la souris. À la seconde, en fait, il faut utiliser l'ordinateur, monsieur le manager. Pour une défense pour. Ah bah, est-ce que vous vous sentez ici, monsieur Jean? Bro, il vient de me voir et il m'a dit j'ai rien de journée, mec. Ouais. C'est la deuxième fois. Monsieur le manager. Oh, attendez, j'ai fait virer un mec. Allez-y là. Vous faites utiliser l'ordinateur. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là je le refais. Tu cliques là, bien sur le carré. Bouge même pas. Et parce que on t'a volé ta souris. Parce qu'il n'y a pas de souris, il n'y a pas de souris. Ah. Oui, allez la chercher. Monsieur Kérib. Il va falloir. Hein, on voit, vous voyez ce que je vois derrière? Il va falloir réunir des gens. Monsieur Kérib, rameutez-moi. Rameutez-moi la crème de la crème. Rameutez-moi la crème de la crème. Monsieur Jean, on est en alerte totale. L'entreprise est en faillite. Il ne sait même pas. Notre manager ne sait même pas enlever un virus. Il va falloir céder. Oh putain de merde. Oui, bonjour. Alerte. On se dé. Il va falloir. Dans 50 secondes, il va falloir faire quelque chose ici. Dans 50 secondes, il faut que quelque chose elle bouge là. Monsieur Ryan, on a besoin de vous. Ah oui, j'arrive. Monsieur Ryan, vite. Oui. Tu l'as. Il va falloir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est mon rêve de. Alors, 30 secondes, monsieur. 30 secondes. Et vous êtes vraiment bourré, vous êtes pompette, vous. Je vous aime bien, vous êtes un bon. Je vous ai plus duré. 12 secondes, les amis. Monsieur Kérib, 12 secondes. On a besoin, on doit y aller. Madrose. Allez. Bon, est-ce que quelqu'un peut mettre une souris à ce bon vieux? Allez, dehors, monsieur le manager, dehors. Allez, dehors. Ça, dehors. Allez, dehors, les gars, dégage le manager, s'il vous plaît, Non! Bah vous êtes con. Non mais ça a aucun sens de faire ça. Et c'est Jean qui est promu. Mais bah je préfère Jean que ce trou du cul qui sait pas réparer un virus sur un PC. Bonjour monsieur le manager. Ah là on a enfin un mec. Ah bonjour, je vous aime. J'ai toujours aimé. Pourquoi votre micro est... Monsieur le manager, vous avez un problème de voix. Parce que le jeu il capte qu'il est dans votre pièce. Ah ok. Oui, bon, alors bon, j'accepte merci. De vous serrer la main à vous, mais j'ai bien l'impression qu'on a un problème avec certains. Bonjour, monsieur le manager. Bonjour. Enchanté, et bienvenue dans l'entreprise. Pardon ? Hello, bonjour. Asseyez-vous comme des putes, s'il vous plaît. Ouais, pas la peine de... Non, de là à fesser. Non, j'ai glissé. De là à fesser. Non, je... Non, c'est pas possible. Non, mais j'ai glissé, c'est grave. Non. Là, c'est pas possible. Le problème, c'est que si on fait des conférences toutes les 2 secondes, on va plus travailler. Bah oui, je peux pas travailler, moi.
Ah, comme t'es rentré en disant ça. Ça fait travailler, moi. Je dirais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que t'es un problème. Tu me laisses une minute, j'ai récupéré une souris, tu me rebranches mon PC, je travaille comme une bête jusqu'à 20h. Oh oui, ah, pardon. Moi aussi. Ah, pardon. Ça va, je te dérange pas, tu te prends pour qui? Non, mais c'est un rêve de prendre la souris. Mais t'attends, mais je suis ton patron, tu me parles sur un autre ton. S'il vous plaît. Mais si. Alors, nuance, monsieur Kawi, vous êtes le manager. Le grand patron, c'est Jeff Bezos et tous ceux qui l'entourent. Mais je t'emmerde. Alors, moi j'ai déjà décidé. Yes! Yes! Mais comment? Eh oui, il restait plus qu'un licenciement, idiot. Idiot. Non, mais j'avais le bon, j'en étais sûr, c'était Ryan. Idiot. Eh ouais, c'est gagné. Oh là 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 là, c'est du bon. Bon, par contre, le redecking tout lobby, il marche pas à chaque fois, c'est chiant. Putain, les bugs de son, par contre, c'est chiant, frère, la Focusrite, là. Oh, oh, les créateurs du jeu, là, faites en sorte la Focusrite, elle bug pas, là, c'est chiant, votre truc. Non, mais sérieux. Regardez, ça grésille, là. Bon, je vais désactiver, réactiver. On est de retour. Bon, il m'invite ou quoi là? En plus, c'est bien marrant hein, quand même. Terracide m'invite ou quoi là? En fait, tu me détestes. Ah non, elle est en train de les inviter. Est-ce que je redémarre le jeu là? Je pense que je vais le redémarrer quand même. Oui, mais... Ouais, mais faut pas que ça devienne trop facile non plus, quoi. Bah, on m'a pas invité. Ah, merde. Mais tu vas nous laisser tranquille? Ah oui, Springfield, bien sûr, Springfield. Lève ma merde! Il est drôle, ce con, quoi! Voilà! Non, il est en train d'expliquer à son chat qu'il est pas homo. Ah, c'est bon. Je suis pas gay! Mettez-vous prêt. Alors, j'ai augmenté le pourcentage de réussite quand on fait des tâches pour que ça aille un peu plus vite et j'ai mis à 0% les. Mais les trucs bravo, négatifs quand on est salarié et... normal. Et ouais. Du coup, c'était quoi la condition qui faisait qu'on perdait quand même si on avait. Ça, je sais ah, pas. Ah, regarde, si c'était en haut, possible termination. Parce qu'à partir du moment où t'as viré 7. Ah, je sais pourquoi on a perdu, Jean. Oui, on peut bosser. On a dire trop d'élimination. Je crois qu'on en a que 7. Oui, mais non, mais on peut bosser. Oui, allez, on bosse là. Je sais plus. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bon, j'étais. Mon son est bugué encore. Ah bah, tu m'étonnes, on va se faire un mal. Tu m'entends là? Jean! Ouais, c'est bon, mon micro marche. Non, mais c'est bon, mon micro marche. Alors, ramasser. Oula. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Poussez-vous! Oui, ta gueule! Dégage toi! Dégage de mon chemin! Putain! Insupportable là! Ah, c'est là. Poussez-vous. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah putain, je supporte pas ces gens-là. Déchiqueter. Donc, je vais aller déchiqueter un petit coup. Voilà. Allez, si tout le monde bosse, on peut y arriver. Hein. Et du coup. Ça fait pas partie de mon travail de nourrir ce chat de merde. Oh, je déchique le contrat. Hein. Rien à foutre d'Amine m'a tué. Aucune OP avec ce type. Voilà. Qui était près du feu? Mon poste de travail. Voilà, je travaille un petit peu. Voilà, j'utilise mon ordinateur puisque je suis un bon élève modèle. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire sur mon ordi? Ben, un email. Je supprime les... Oh, mince. C'est qui le manager? Ça va l'homophobe?
Je... C'est supprimé. Je les entends, tes remarques. Ah là là. On est d'accord, c'est tout au long de la journée. J'ai tellement travaillé. Va te faire enculer. Enfin non, du coup. Monsieur, monsieur, j'ai pas encore mangé mes crottes de nez aujourd'hui, vous êtes fiers? Bravo, félicitations. Pourquoi j'ai voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je suis un bon employé. Monsieur Racid. Oui. Lisez vos mails. Oh putain. Mais il y a quelqu'un à ma place. Ah non, c'est bon. Très bien. Bon, qui était près des serveurs? Qui était près des serveurs? Ah, Ryan encore! Ryan encore près des serveurs. Il y avait Tibro, je viens de faire un vendre prix, le trou du cul. Trou du cul. KZ. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je travaille, fermez vos gueules là. Travaille bien, Jean. Alors, transmission de rapport. Imprimer salle forecast analyse. Mais putain, mais c'est. On peut pas bosser dans cette entreprise! Bordel! Putain! Vous faites quoi ici, vous? Vous glandez, c'est bon, Tibro, ça va. Eh, hey, je vais dire au manager, Tibro. Eh, hey, monsieur KZ, votez contre Tibro, là. C'est bon, il faut rien. Bah oui, je vais faire tout de suite, Tibro. Engagez une réunion, monsieur le manager. C'est bon, il faut rien. Fais une réunion. Eh ben, vers ici, là. Vers. Il y a un bouton. Je peux pas. Le bouton. Voilà. Moi, je. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon. Mais monsieur. Monsieur Jean. Monsieur Jean. On peut pas bosser dans ces conditions de merde. C'est impossible. Et qui est le responsable? Tibro. Ah, Tibro, ça va? On glande bien, Tibro? On glande bien, Tibro, on fait semblant. Manager. Entrez. Mais j'en ai marre, manager. Bon, vous savez quoi? Monsieur KZ, occupez-vous, moi je vais bosser parce qu'on a du temps perdu, je vais rattraper. Je vais bosser, hein, je suis un bon mec. Alors. Voilà, comme ça, je rattrape le temps perdu à cause de ces connards. Voilà. Ah bah du coup, j'ai plus mes tâches. Bon. Non, désolé, je finissais mon travail puisque quelqu'un s'amuse à débrancher les serveurs. Je vais faire baiser le cul à la salle. Tibro de merde. Tibro de merde. Mais restez debout les intéressants. Tibro. Tibro de merde. Oh. Mais il a. Oh, ça c'est pas du boulot ça. Ah ouais, je suis pas sûr. Allez, on y va. Ok, pardon, pardon. Rendez-vous ici dans 1 minute 40, les gars. Allez, c'est parti. Je non, t'es simple femme de ménage, donc tu respectes maintenant. Lâche-moi la feuille, lâche-moi la feuille, Tibro. Mais comment je fais là? Oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah c'est le grand remplacement. Le grand remplacement, et puis quoi encore? Non mais allez, ça va les gars. Réveillez-vous les blancs là. On se réveille, putain. KZ et Kerry assistant, mais on peut pas, on va pas pouvoir. Non mais là, c'est la chute. Comme si c'était normal. Comment je ramasse client meeting note? Tu vas être viré pour racisme toi? Attention. Ouais, bah bien sûr, racisme moi. Attention, c'est du bon sens, on est en 2005, c'était encore autorisé. Attends. Eh, bande de voleurs, c'est à moi ça! Mais ça aussi, c'est à moi! Mais vous avez volé mes papiers! Ah ouais, pardon. Mais ils volent mes papiers, ces enfoirés! Attends, mais faut que je le réimprime là? Vas-y, 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 vas-y! Vas-y, qui est effrayé de la salle là? Allez, ça y est, c'est Ryan ou Terra, c'est Ryan ou Terra, c'est bon. C'est Ryan, c'est Ryan. Eh hey, vas-y KZ, je te jure c'est Ryan, il est. Mais pourquoi tu le revires? Pourquoi tu le revires? Eh vas-y, eh hey, on vote contre le manager, c'est pas possible. Vote contre le manager, c'est bon. Eh non, par contre je vous le dis, Ryan à chaque fois que les serveurs ils pètent, c'est Ryan dans la salle des serveurs. Bien sûr, on est d'accord, c'est Hugo. Vas-y, non.
Eh, tu vas faire. Non, non, tu veux. Tu... Vous faites quoi là? Je surveille. Non, je te dis que c'est Ryan qui les débranche à chaque fois. Ok, bah, dire que tu mets ça sur mon bureau. C'est histoire 2, hein. C'est histoire 2. Envoyer un email à info.yogastudio. Ah, bah, je vais le faire. Alors, comment on fait? Right. Info Yoga Studio. Ça va? La chaîne de yoga. Vous avez à peine 15 viewers sur votre chaîne de merde. Quand aucun buzz. Pourquoi il parle tout seul l'autre con? Parce que je dois envoyer. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est Ryan! C'est Madros! Ça crame! Virez le manager! Virez ce putain de manager! Madros ou Ryan? Non, non, non. Madros ou Ryan? Manager, j'ai un coup! Qui veut une bière! Non, arrêtez, monsieur Terracide, c'est Ryan non, ou. Non, c'est Ryan! Voilà, et ben y'a KZ, je suis rentré, il est en train de boire une bière! C'est Ryan ou Madros? Mais c'est faux! Ah bon? C'est Ryan ou Madros? Bien sûr, monsieur. Monsieur KZ, faites-moi une confrontation! Monsieur KZ, je vous demande quelque chose! Monsieur KZ, donnez-moi une confrontation avec Madros, vous allez voir qui ment! Monsieur Madros, venez là! Allez, osez mentir que vous avez pas hacké la salle des serveurs! Parce que je suis en train de nourrir le chat, vous savez. Oui, oui, t'es en train de nourrir le chat dans la salle des serveurs. Dans la salle des serveurs? Qu'est-ce que tu fais dans la salle des serveurs? Calme. Non, il y avait le feu quand t'étais dans la salle des serveurs. Parce que quelqu'un a vu Madros dans la salle des serveurs. Pourquoi tu parles en chuchotant? Non, Terra, tu fais quoi? Moi, je l'ai vu. Mais ta voisine, c'est une conne. Et c'est une pute. Je pense que je vais rentrer, je vais battre. Ok, moi j'ai rentré, je vais rentrer. Hugo a essayé de couvrir Madros, il y avait tout sur Hugo. Ah, quelle belle journée. J'ai pas essayé de couvrir Madros, j'ai dit, je l'ai incriminé. KZ, Kerim, il veut une bière. Kerim, il veut une bière. Arrête-toi. Ok, pourquoi il avait une bière avec toi? En plus, il est musulman. Elle était déjà là. Elle était déjà là, la bière. Mais oui, elle était déjà là, la bière. Bah voyons. C'est une honte. Si vous virez pour moi, c'est la fin pour vous. KZ? Oui, oui, c'est la fin pour nous, ouais. Le mec fait des menaces. Le mec fait des menaces. Non, mais il se prend pour qui, là? Ça sera la fin pour vous après. Cersei, là. Mais quoi? Ah, voilà, et qui? Wouh! Eh, bah, monsieur le manager! Vous remontez dans mon cœur, monsieur le manager! Monsieur le manager! Serrez-moi là-bas. Serrez-moi là-bas. Ramasser de la nourriture pour chat. Au cas où, on leur dit. J'ai rien fait au cas où, hein. Là, c'est du pur hasard. T'es encore là, du coup? Ah, bah, Kerry, il a perdu sa place. Allez. Ça va, tu fais quoi là? J'active les serveurs. Ouais, ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Elle est où la nourriture pour chat là? Ah, elle est là. Oui, bah, oui. Bah, suisson, on a be. Eh! Monsieur KZ! Monsieur KZ! Monsieur, vous avez besoin d'un raid? Faut le dire, hein, ça ira plus vite. Ça va. Non, mais ça va pas ou quoi? Il est fou, ce mec. Je suis mort. Mettre en terrain en pose. Quoi? À l'aide! Comment je fais? À l'aide, oh! Oh! C'est quoi le truc, là? Voilà, voilà. C'est pas possible! On a failli perdre la poubelle! La réunion commence, hein? Non, c'est pas la gelée que je veux. Mais putain, mais je rate toutes mes missions, à chaque fois ça coupe. Mais t'arrives à finir tes missions en entier? Mais c'est impossible, à chaque fois il y a des meetings. Eh, hey, hey, par contre, là, je vais. Non, non, monsieur le manager, je vous dis un truc. Quand vous faites des réunions toutes les deux secondes, on peut pas finir les missions du coup. Oui, mais en fait, on essaye de me virer du coup. Surtout que j'avais rien. Je dois faire des réunions. Mais, monsieur le manager, si votre assistant faisait bien son boulot, il vous protégerait. Quoi? Monsieur le manager, vous savez très bien. Visiblement, vous avez pas un bon bouclier pour vous, monsieur le manager. C'est pas grave. Pauvre tâche, va, pauvre merde. Pauvre merde. Oui, oui, c'est moi le suceur de bite. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai sucé pour un poste, hein. Non, mais attends. Non, Ryan a réparé. Ryan a réparé la salle des serveurs. En revanche, Kerim était en train de boire une bière dans les bâtiments. Mais lâche-moi tranquille, merde, alors. Allez. J'ai compris la stratégie de monsieur Terracide. Sucer le manager pour. Oh! Mais pourquoi c'est hyper connu? Mais c'est. Bon, allez.
Le manager c'est fini. Le manager c'est fini. Mais le manager c'est terminé. Je spawn camp. Eh eh, dans 1:50 je reviens et ça va barder. Allez vite. Qui m'a mis un virus là? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Faut que j'écrive un email à contact acné. Un truc d'acné là. Ça va les boutons? Je me permets de rire, hein, on est au bureau. Voilà. Eh, 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 de toute façon, on se casse. De toute façon, on se casse, je vais sauter du troisième étage dans quelques secondes. Donc. De toute façon, eh, quelqu'un a un casse-verre là pour que je saute là? J'en ai. Y'a pas Ben Laden qui peut foncer sur notre bureau là? Ramasser, analyse des prévisions. C'est à moi ça. Non mais non. Oh là là. C'est à moi ou pas ça? On y va pas. Non, votez. Non, on y va pas, on attend ici. On attend ici. Ça suffit quoi. Ça suffit. Cramez-le. Il est où l'extincteur là? Il est où l'extincteur? Mais c'est pas possible. C'est lui depuis le début. C'est lui depuis le début. On est dans la merde. Oh vas-y. Regardez, c'est les deux. Ils sont ensemble. Vous êtes deux traîtres. Vous êtes deux gros traîtres. C'est grave. Vous êtes... Ouais. C'était même pas Kirib. Mais qui KZ? Qu'est-ce qu'il a foutu? C'était moi et tes gens. Tu fais chier. Mais qu'est-ce qu'il foutait, KZ? Très nul, bot. KZ, très nul. Alors, Hugo, ce que t'as fait, ça serait pas. Non, mais KZ, t'étais traître ou pas? Non, Hugo, il a joué le mec. Non, mais attendez, j'explique. Hugo, il a fait le mec en mode. C'est long! T'es con! T'étais pas trompé, c'était Ryan. Genre, il croyait qu'il était viré déjà, qu'il était plus dans le jeu. Mais KZ, t'étais traître ou pas? On a rien compris. J'ai rien compris à l'histoire. Vas-y, Hugo, explique mieux que moi. Explique mieux que moi, Hugo. Bah non, mais j'étais juste enculé. C'est tout. Ouais, voilà, il m'a baisé, Hugo. KZ, tu faisais des réunions toutes les 14 secondes. Ah ouais, Hugo, il passait toutes les 5 minutes derrière moi, il vérifiait que je jouais bien à Snake. Il a demandé de te faire avoir, j'ai envie de te dire. De protéger. Bravo, Hugo. Mais du coup, il m'a baisé, l'enfoiré. Je suis resté au chiot pendant 15 minutes. Hein. Ce n'est pas drôle. Je vais pisser et rejoignez la game. C'est un mec qui n'est pas drôle. Eh, c'est super marrant d'être. Non, mais je vous le dis pour les managers. Je vous le dis pour les managers safe. Ont beaucoup mieux. Ah, mais merde, putain. Ouais, surtout quand. Parce que je sais pas combien de feux j'ai allumé devant quelqu'un et personne n'a. Les managers. C'est pas drôle. C'est trop nul. Les managers safe, quand on fait des réunions, ça nique toutes mes missions. Je peux pas finir. Ouais, c'est vrai que en gueule faire des. On peut mettre une limite de la réunion là. Ouais, voilà. Non mais c'est eux qui mettent des réunions, c'est genre c'est quand quelqu'un choisit, j'ai pas l'impression que... Parce que ah voilà, c'est le manager qui choisit quand il veut mettre une réunion, mais... Il y a marqué temps de recharge de la réunion là dans les paramètres. Ah voilà, on va le mettre... En gros, moi quand j'ai vu que ça voulait me virer, bah je faisais des réunions on CD, comme ça on pouvait pas me virer. Mais du coup j'ai fait des réunions. Va. T'encules, mais tu t'étais... Il m'a pas invité, mais j'ai gagné. En recharge du remplacement humain. Heureusement qu'il y a bien joué, KZ, on a perdu grâce à ça. Assistant, par contre, c'était bien, mais dommage. Et... En fait, faut mettre temps de recharge du manager et temps de réunion. Bien sûr, Hugo. Bien sûr. Alors, tu veux quoi? Temps de remplacement du manager, tu veux que ce soit plus long? Remplacement manager, mets 1:30 et réunion, tu mets 1:45. Ouais, 1:30. Il faut faire en sorte que KZ soit loin des pouvoirs et c'est bon. Temps de recharge de réunion, 1:45. Vous avez pas comme rigolé quand j'étais manager. 50. Est-ce qu'on essaie de tuer le fait de voir les autres rester dans un bureau et t'attendais les infos? Ouais. Non mais c'est un classique. Méchant le chien. Kirib, Tibro. Ouais, ah pardon, excuse-moi. Ah pardon. Un classique. Ah je suis trop heureux d'y jouer sans Théo. Kirib. Un classique jeu. Théo Russe, je te baise. Putain, j'ai plein d'idées. Bon bref, je vais jouer, je vais travailler. Allez hop. Pendant ça, Théo Russe, en Italie. Voilà. Je suis en Italie les mecs hein. Et on y rejouera jamais avec Théo, j'espère. D'accord. Ah non, ça c'était on désinstalle le jeu. Bon allez les gars, je vais bousiller les serveurs. Je sais même pas, en fait ils doivent les traîtres, ils doivent être prêts pour casser les serveurs ou pas? Ah attends. Je vais lui niquer son ordi à lui. Connard de KZ. Hop là. Mon poste de travail. Alors, il est où Terracide?
Je suis KZ et je te déteste. Petite pute, va te faire enculer, salope. Ose me virer. Salope, t'as pas les couilles. Ça va Monsieur Hugo. Oui. J'envoie des mails à Terracide avec le compte de KZ. Bon bah je vous laisse faire. Eh, pas de... On les y va. Oui, oui, bien sûr. Monsieur Racide. Monsieur Racide. Bon, toi, t'es... Ça va, la drogue? Monsieur Racide. Oui. Absolument, regardez vos mails, c'est vraiment très, très important. Hop là. Bien sûr. Je l'ai entendu écrire, en plus, avec son clavier. Oui, mon bureau. Je l'ai entendu écrire avec son clavier. Ah, vous n'avez pas de bureau, monsieur Racide. Ah. Si, mais je ne sais plus où est mon bureau, attendez. C'est quand même... Ah, c'est ici. Lisez vos mails. Mais je l'ai vu tout à l'heure, y'a rien. Y'a Skaz qui a mis du feu. Je suis Kaznet et je te déteste, petite pute, va te faire enculer, salope. Ose me virer, salope, t'as pas les couilles. Montrez ça tout de suite. Je conseille de montrer ça au manager parce que c'est une honte. C'est une honte, mais c'est vraiment une honte. Monsieur manager, je crois que Terra. Attendez, là j'ai 5 accusations différentes. Ah, monsieur manager. Faut vraiment aller voir Terracide, monsieur le manager. Allez regarder mon PC, vous allez voir. Attendez, je répare. Oui, un virus. On l'a vu le contenu du mail. KZ, venez avec nous. S'il vous plaît, KZ, venez avec nous. Vous allez répondre de vos actes. Quoi? Vous allez répondre de vos actes, monsieur. Ordinateur. Monsieur KZ, vous venez. Monsieur KZ, venez. Je suis KZ, je déteste petite pute, va te faire enculer, salope. Ose me virer, salope. Avec la boîte mail de KZ. Hein. Bon, allez, monsieur KZ. Il est où? Ok, il est là. C'est mon PC là. C'est mon PC. Monsieur le manager. Monsieur le manager. Monsieur, allez lire vos mails tout de suite. Oh, posez-le le papier ici que je le signe. Monsieur le manager, vos mails tout de suite. Merci. Mes mails. Vos mails tout de suite. C'est insupportable. Bah, j'aimerais bien, mais le serveur a été cassé. Bon, qui sort des serveurs? Madrose. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Venez ici. On va attendre le manager tranquillement. Monsieur Mouette, on vous a pas demandé de venir. Non mais... Allez travailler vous, on parle au manager nous. Oui, c'est nous trois. Maintenant, on doit parler à Madrose. Il est où Madrose? Il est parti. Elle a des revues coquines. J'attends monsieur le manager. Il est nul ce manager. Hein. Bonjour monsieur le manager. J'attends que vous lisiez vos mails. Oh mais c'est pas vrai. Je vous ai demandé avant que monsieur Canet vienne vous faire chier. Utiliser ordinateur. Alors voyons voir les mails. Bien ce que je pensais. Alors. Ben, un mail de qui? Madrose. Et c'était Madrose. Vous êtes une salope de chienne. Non. Il y en a un autre. Non mais je vais sévir. C'est quoi l'autre? Il y en a un autre. Mais je m'en fous de ce papier. Il y en a un autre de Madrose. Non mais allez, Madrose, c'est vous qui déconnectez les serveurs dès qu'on veut lire votre mail. Alors c'est le de manager. Bon allez, les deux. Non, pas moi, monsieur le manager. J'étais là, je bosse, moi. Non, mais je bosse, moi, je suis un spécialiste. Comment ça, vous bossez? Je suis un spécialiste. Vous allez faire une erreur, je suis un spécialiste. Vous savez quoi? J'ai envie de la commettre, cette erreur. Hein? Mais non, mais je suis viré à chaque fois. Je suis spécialiste. Hello, bonjour. Putain, vite. Il y a d'autres gens qui foutent rien. J'ai pas une très mauvaise ambiance, mais on est sur le point de faire. Est-ce que je peux avoir une excuse de la part de monsieur Skaz, par exemple? Monsieur, je dois organiser le classe. Monsieur,
Comment je pourrais inventer ça? Organiser le classeur dans le annexe. Je peux pas, parce que c'est j'adore ce dans métier. Le eh oui. Et hein? Bon, de toute façon. Hein? Ah, je peux plus voter. Bah, vous avez tout gagné. Allez, je vous surveille. Ok. Je vous surveille. Monsieur Racine, venez. Qui le gros coup qui a mis la gelée sur le. Racine. Oui. Il y a la gelée, j'ai rien à voir. Envoyons le N-word au manager avec son bien ordinateur. Attendez. Au manager, monsieur Hugo. Mais c'est bon, c'est. Non, on travaille. Alors les virus. Cachez, cachez votre écran le temps de l'écrire. Ça va? C'est mon PC là. Monsieur, ils sont sur mon ordinateur. Ça va, monsieur Acide? Allez, je vais. Ah, organiser le classeur annexe. Alors, regardez le classeur annexe, il est là. Moi je travaille. Hein. Hop, bah j'organise le classeur annexe. Monsieur manager. Monsieur manager. C'est bon qu'il n'y a pas de se vanter qui envoie des emails à tout le monde à part qu'on envoie un email. Monsieur le. Allez voir. T'as vu quand même voir. Je vais quand même voir vos emails. Bon, monsieur Terracide, allons voir directement. Bah oui, c'est vrai ça, attendez. Regardez, hein. Vous sortez de mon ordinateur. Non mais monsieur, on a un mail de la plus haute importance. Alors, c'est qui le premier, lequel? Tibro, je crois. Tibro qui vous a envoyé. Sale négo, ça va pas. Non mais ça va pas d'envoyer des mails comme ça au manager, mais on est en quelle année? Mais c'est quoi ces conneries d'envoyer ça là? C'est quoi ces conneries? J'imagine. Ah, Terra! J'imagine l'employé pour son dernier jour et il envoie ça à son patron! Bon, allez, on travaille! Oh là, vous foutez rien, vous, hein, monsieur Skas! Mais il organisait le. Il est là le tiroir, qu'est-ce que je fais d'autre, moi? Les gars, je fais quoi là? J'ai rien d'autre à foutre! Toi ça va, super. Regardez-le, lui. Il est à l'ouest. Voilà, je fais toutes mes tâches. Non mais mec, tu aide-moi là. Analyser les prévisions des ventes dans le Financial 1. Oh là là. Ok, faire une copie. Donc je vais à la photocopie. Allez, je vais faire mes trucs. Elle est où la photocopie? Où est la photocopie, s'il vous plaît? Où est la photocopie, monsieur Carib? Voilà, bravo. Merci de m'aider, monsieur Carib, ça fait plaisir. Voilà, vous pouvez utiliser la photocopie juste ici. Merci. Voilà, bon courage à vous. Copier. Je copie. Et du coup, mettre l'analyse sur le bureau de Tibro. Ok. Ça va, monsieur? Le butter chicken est bon? Monsieur Tibro, je mets un papier sur votre bureau. Imprimé. Bah oui, bien évidemment. Placé. Ramasser un bien déchet. Je vais imprimer. Hop là. Tiens, je vous laisse un papier pourri derrière vous. Ramasser un déchet. Oui, bah un déchet, attends, il y en a. Il y en a où? Skas, il fait caca. Oui, bah oui. Réfléchis bien. C'est où que je trouve un déchet? Un déchet? Comment je peux trouver un déchet? Ah, avec le papier, non? Que j'ai fait tomber. Ah oui. Les papiers dans les corbeilles, là. Oh là là, il y en a pas. Ah bah si, je vais prendre le papier de Tibro. Bah, ah non. Bon, allez. Quand même, on en profite, les gars. C'est qui le nouveau manager, du coup? Encore en train d'envoyer des mails.
Sur le poste de Chibro. Comment on trouve des déchets? Fils de pute. Comment on trouve des déchets, monsieur le manager? Comment on trouve des déchets? Tu vas vite l'apprendre. Non, non, par contre, c'est pas moi. Potas, je t'ai jamais vu à ton bureau, je fais quoi là? Mais parce que moi j'ai des trucs hors bureau, genre ramasser un déchet, comment je fais pour ramasser un déchet? Bah tu vas au sol et tu dois. Eh oui, bah tu vois beaucoup de déchets sur le sol là? Ah tiens, donne. Et comment je le. Ok, jeter l'objet dans une poubelle. Mais on a remis KZ de manager, on est sûr de ça là? On va le virer tout de suite. Là on est sur le bumper, on est en rouge rouge. Bah moi j'ai fini là. Monsieur Ras, monsieur Terracide. Il y a une réunion. Le manager. Quoi? Madame. Monsieur Terracide. Monsieur Terracide. Oui. C'est KZ le manager, donc il faut le dégager. Oui, mais d'abord faut qu'il passe un truc. Ouais, dégagez où? Réunion, moi j'aime bien moi. Monsieur le manager, s'il vous plaît. Monsieur le manager, s'il vous plaît. On a deux preuves. On y va les gars, on y va les gars. On a des preuves dans les mains. On était les gars. On a vu Jean qui sortait, il a bloqué. Oui, allez, allez, venez. Les gars, venez, venez. Venez, venez, venez. C'est Jean, les gars. C'est Jean, n'importe quoi. Oh là. Venez, venez. J'étais en train de ranger des buts. Tibro. Oui. Tibro. Et les vos boîtes, elles sont des bleues. C'est bon. Vote fort, vote fort. Attends, bah écoute, c'est pas moi. C'est moi qui. Attends, oui, c'est d'abord Jean. Merci. D'abord, Jean. Virer Jean. Monsieur Potas, c'est ta chienne. Bon, allez, on le vire. Oh, ouais, c'est bon, juste le PC allez. De il est chiant. Bon, allez, vote fort, venez. Vote fort. Mais voilà, ce fils de pute, là. Nique ta mère, là. Qui, ce manager? Allez, l'insulter de fils de pute dans son chat, là. C'est bon, KZ, frère. Il nique juste ma partie, frère. Il vire juste des gens au hasard, KZ, là. Va nettoyer des déchets. Il casse les couilles, ce tour du cul, là. Non, c'est grave, oh, merde, ça. Alors, email. Il nique la partie, là. Il fait rire personne, il vire juste en manager, là. Bonjour, mouette. Hein, allez lui mettre trou du cul, là, dans ton chat, là. Putain, là. Il est chiant, ce mec, là. Il vient, il vire juste. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faire fait des vannes. Les cigarettes là un peu. Mais moi j'attends du coup, moi j'attends. Hein. Alors que je faisais mes putains de trucs. Oh putain Jean. Enfin, Jean c'est le slacker. Putain Jean c'est le. Qui me dit que tu c'est qui le deuxième slacker? C'est Kerib. Rendez-vous à la cave. Attends, ah, je vais dire à Terra de lire ses mails. Sur mon PC. Ah merde. Attends mais c'est Karim. Karim, c'est toi qui me l'as mis dessus? Bah non. Super con, il triche à tous les coups là. Eh bah, va être bien fait pour ta gueule. Eh, c'est bon. Eh, moi je vous le dis, on vire KZ. On vire KZ dès le début, c'est bon. Si c'est Jean. Eh, ça suffit. Eh, vous me virez KZ dès le début. Vous me le virez dès le début. Mais attends, ça, mais ça attends. Suffit, ça mais suffit. Comment il y a un feu qui a commencé devant ça moi? Suffit, ça suffit. Eh, le premier manager. Premier manager, il va en salle de réunion, il vire KZ. Ah, comme ça, c'est mais fait. Mais pourquoi? Et pourquoi c'est bien joué, Jean. Par contre, pourquoi, pourquoi ça s'est arrêté la partie? Eh, parce que il y avait plus de tâches. Plus de tâches. Okay. Eh, Jean, on avait raison avec Tibro. Enfin, c'est vraiment toi qui avait. Ah, mais oui, complètement. Mais voilà, putain de manager de merde, il a viré Potatoes alors que j'ai donné des preuves. Il a envoyé des mails sur le truc de Tibro. Et nous, avec Tibro, on avait deux preuves dans les mains. Je faisais mes missions, j'ai pas le droit de faire. Eh, KZ, j'arrêterai de faire des vannes en live, ok. Je vais faire mon RP. Attendez. Bah, bien sûr que si, ça a rien à voir. Attendez. Comment je fais pour modifier le paramètre qui fait que les traits là, ça booste Boost. Hugo évite de rigoler dans les couloirs, le manager il non, ouais. Justement, ouais, ça va pas de quoi, KZ Pota il change de rigoler faire des blagues dans les couloirs, c'est le. Attention, hein. Moi, j'ai moi, pas. Moi, je fais réunion, tout le monde s'en branle, donc je prends mes réunions moi-même. Je fais mes réunions. Je fais tranquillement mes missions et pourtant, ça tabasse, hein, le truc. SK, il est bon, hein. Ah, oui, il est très bon. J'ai fait toutes mes tâches. Allez, on lance. Bravo. On lance, Madro. Ok. Bravo. Inverse. Même pas un peu. Baisse la productivité. Ok, bah je mets 12% spécialiste parce que c'est plus dur à faire et personne ne le fait. Allez, voilà. C'est parti. Miaou, miaou. Mort, mort, mort. S'il vous plaît, les managers, écoutez quand on a des preuves. Ouais, bien dit. Miaou. Moi, parce que franchement, ils avaient complètement raison.
Attends, je le cache pour essayer de spoiler. Allez, c'est parti. Ah, oh, j'en ai marre. Vous êtes spécialiste. Allez, c'est parti. Il a cassé. Il a cassé la salle des serveurs. Madros vient de voir, il vient de fouiller. Il est où mon bureau là? Ah, le voilà. Alors, quand même, avant de commencer, on fait ça. Toujours. Voilà. Alors, je travaille. Qu'est-ce que tu veux, toi? Y'a quoi de drôle? Laisse-moi tranquille. Utilisez le téléphone. Appelez Hugo. Et c'est mon truc, c'est à moi. J'ai besoin de... Tu regardes. Non, non, j'appelle dans IRL. Voilà. Bah, tu le récupères maintenant. Ok. Bah, je le détruis ton... Oui, je suis à mon bureau, je vous attends. Allô? Oui? Oui, ça va? Ah, mais c'est pas la même voix au téléphone. Bah non, mais c'est pas lui. Vous passez une bonne journée? Bah ça va. Mais tu parles avec qui? Mais avec Hugo, on peut m'appeler par téléphone. Fabuleux. Je vais raccrocher, oui. Il faut arrêter de me parler, monsieur. Oui. Je rigole, j'en ai pas besoin. Allez, soit viré, manager! Manager! Oui, mais je te parlais via téléphone. Ah bah oui, bien sûr. J'étais directement connecté à toi. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, oh, parce que j'ai un autre appel à passer. Et si on le virait dès le début, lui? Parce qu'à chaque fois qu'il fait manager, il fait n'importe quoi. Voilà. Salut Tibro. Salut Hugo. Eh hey, monsieur. Attendez, j'appelle. Pota, je mets un papier ici pour toi. Oui, allô, monsieur Terassi, tu es à mon bureau là. Oui. Bot Canette fait l'hélicobite devant des femmes. Donc c'est pas très drôle, donc j'aimerais bien qu'on le vire à la prochaine. Merci. Vous avez raison, je m'en parle aux autres. Je suis à mon bureau. Bon, c'est quoi ce bruit là? Qui m'appelle? Il y a un feu. Qui m'appelle là? Qui appelle qui? Non, annulé. Putain, ça a appelé quelqu'un. Oh, c'est chiant. Oh, les boutons, j'ai du mal à... Mais... Utiliser l'ordinateur. Mais... Je peux pas utiliser mon ordi? Bon. On va faire ça. Voilà. Comment j'utilise? Les gars, Madros, j'ai un problème. Quand j'utilise l'ordinateur, ça me fait le téléphone là. Mais maintiens F et me fait choisir un utilisateur. Ah oui, c'est bon. Voilà. Merci, merci camarade, je t'appellerai à ton bureau. Moi, je vais appeler Jean, il est devant moi quand même. Ah, j'ai un appel. Allô? Allô? Bah, tu réponds pas, hein. Je peux pas répondre, j'ai pas de connexion. Ah oui, bon. Elle va revenir, vous inquiétez pas. On est en train de s'appeler avec Jean. J'aimerais. Ah, allô. Oui, allô. Ah. Oui, ça va? Ça va? Oui, ouais, ça va. Toi, je suis en train de travailler. Tu bosses bien là? Oh, oui. Ah bah, j'ai raccroché. Ah, ok. Désolé. J'étais juste en face de toute façon. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, alors, du coup, je doxe. Du coup, je rappelle qu'on est dans l'entreprise de doxing. Non mais... Mathis Boudin. Mais c'est pas vrai. Et allez. Et comment ils font pour le casser? Ils doivent y aller? Oui, ils sont obligés. Bah je le sais parce que t'es obligé d'être proche du truc. Mais tu sais qu'il y a un délai entre le moment où ça va et le moment où ça arrive. T'as pas une guinze? Tu fais quoi là? J'appelle Hugo mais il répond pas. Tu fous rien? T'as qu'à m'appeler à mon bureau. Ah bah. Tu veux m'appeler à mon bureau? Oh, bah tiens. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. C'est qui?
Kenny. Non, arrête, pas cette vanne. C'est beaucoup trop drôle. C'est bien trop drôle pour Twitch. Ok, bon bah... c'est à toi de faire la vanne, c'est toi qui appelle. Ouais, bête. Ah. Comme, comme quoi comme quoi des choses quand on est au téléphone. Oui, j'ai préféré arrêter de répondre, j'ai eu un pédophile à l'appareil, il me demandait mes petites culottes. Ah ouais. Ah oh, putain, pareil. Pourquoi on peut pas prendre c'est de l'eau? Attends. J'ai mieux. Appeler quelqu'un avec le téléphone de Jean, ça c'est quand même... Ah ça c'est assez cocasse quand même. Tu sais quoi, j'appelle Potatoes. Non mais... Potatoes, y'a pas... Laisse. Ok. J'appelle... C'est qui le nouveau manager, Thibro? C'est moi. C'est vous? Je vous appelle. Je vous appelle. Se casse. Oui, mon bureau. J'appelle Skas, hein. J'appelle Pota. Monsieur Thibaut, j'ai un papier pour vous. Oui, allô? C'est nouveau, ça. Ça, c'est pour sucer. Allô? Faut répondre, hein. Faut arrêter de faire les films d'horreur. Il a raccroché. Eh, n'appelez pas le manager, il raccroche direct. Mais oh! Casette sur ma place, alerte! Dégage de mon PC. Putain, merde. Alors. Oui, allô. Allô. Oui, ça va bien chez vous dans votre secteur? Oh là là, j'ai deux appels en même temps là, c'est problématique là. Nous ça bosse, on est en train de gérer le dossier. Mais c'est le bordel, il y a deux personnes qui me parlent en même temps dans le téléphone là. Ferme ta grande gueule. Donc au secteur ça se passe bien et là on est en train de travailler. Voilà. Avec grand plaisir. Allez. Bidou. Je ne peux pas utiliser mon... Ah, c'est ton PC, ça ? Mais putain, mais... Ah, c'est bon. Donc du coup... Qui voulait écrire un mail ? Oh là là, les mails que je reçois. Voir le titre. Je bois des... bières aux chiottes. Pour répondre, hein, aux appels. Alors, pour répondre. Amis, réunion. Les amis, il y a une réunion. J'imprime là, j'imprime. Vous êtes en retard. Ah oh oh, bravo. Ça travaille, non? Vous pouvez enlever l'imprimante là, c'est full là. Tiens, j'ai besoin de ça, merci. Jean, tu peux enlever l'imprimante? Allô? Est-ce que vous avez remarqué que. Mais tu m'entends, Jean? Je m'entends plus là. Attends, une seconde. Les gars, quelqu'un peut enlever le truc de l'imprimante? Elle est full. Comment ça, l'imprimante? Elle est full, il y a trop de papier. Tu peux l'enlever, les trucs? Bah oui, ça donne envie de croquer, n'est-ce pas? On arrête de faire des blagues devant moi, on travaille. Oh pardon, excuse-moi, je bosse. Bon allez, bonne journée. Ah merci, ouais. Bon, vous allez arrêter de m'appeler, là. Putain. Mais qui m'appelle là? C'est qui le téléphone qui sonne? Mais y'a pas des déchets quelque part avec le truc? Mais c'est toi qui sonne! Mais j'entends. C'est insupportable. Ah, j'entends un téléphone qui fait que sonner là. Elle est. Alors. Pourquoi c'est pas ouvert là? Qui a fermé là? Je dois imprimer. Monsieur le manager. Ouvrez, je dois imprimer. Manager, faut ouvrir. Ah là là, attendez. Je crois qu'il y a le mien là. C'est ça ou pas? Ah c'est pas le mien moi. Attends, c'est pas celui-là. Bon, je le signe hein, pour ceux qui demandent. Quand même. J'en ai signé, hein, c'est bon. J'ai mis mon apport. Hey, Thibro. Hey. Autant le déchiqueter quoi. Ah bah il a disparu. Ah non, attends, non là. Autant le déchiqueter quoi. Ah c'est bien. Ah il y a une belle animation en vrai. Attends. Je peux manager, laissez-moi finir ma mission là.
Eh hey, ouvrez, putain. Oh. Tiens. Eh, hey, j'en peux plus, là. J'en peux plus. J'ai pas le droit de m'amuser un petit peu. Tu vas faire quoi, là? En fait, je pensais que c'était mouette encore, mais comme il est déjà viré, il peut plus nous empêcher. Par contre, le manager, on peut lui dire d'arrêter de verrouiller les portes? Mais non, c'est mouette qui verrouille les portes. Oh. Manager. Pourri son bureau. Donc t'as... Oh manager. Non mais oh, ouais. C'est pas possible. Mais il y a le téléphone, il sonne en boucle sur mon bureau. Je t'appelle. Décroche ou raccroche? Mais je peux pas. Oui. Allez, complètement bugué mon téléphone. Oui, après, c'est pas grave. Ouais, je peux mettre dans les poubelles, excusez-moi. Mais... Poussez-vous, oui, vous. Poussez-vous, salope. Monsieur? Oui. Ça vous dérange pas que ce soit moi le manager? Un peu. Dire, ah, bon, ouais. Je fais avec, hein. Je mets un fil, je mets des lunettes. Ok, bah, je le prends pas mal en tout cas. Eh, le téléphone. Eh, quelqu'un peut pas me bousiller mon téléphone là? Il sonne comme ça là. Je peux pas le raccrocher. Bah, attends. Ah merci monsieur Madrose. Franchement j'ai envie de serrer la main. Madrose, y'a Kérim qui t'a envoyé un mail avec mon PC pour t'insulter. Mauvais. Je te jure. Alors Terracide, non mais je rêve. Va voir. Regarde un peu. Regarde un peu. Non, pas nique ta mère, nique tes deux mères. Ah, ça c'est pas moi, ça c'est pas mon PC celui-là. Mais un autre message ça. Je sais pas qui c'est, mais je rêve. On dérange pas. Manager. T'avais un virus. Manager. Parle, qu'est-ce que t'as envoyé quoi là? T'as envoyé à qui? J'ai rien envoyé, t'avais un virus. T'as envoyé à qui? À personne, t'avais un virus. Putain, j'arrive pas à l'utiliser. T'avais un virus. Ah non, c'est pas moi. Enfin, en tout cas, c'est terrible. Non. Non. Manager, c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé avec mon compte. Il était sur mon PC. Pardon? Aïe, ça dégage la vermine. Ça dégage la vermine. Pourquoi il y a plus de... Pourquoi je peux plus tirer? Vas-y, il veut m'asperger. Lisez-le, on le voit qu'on reconnaît sa plume. Chien, va. C'est vraiment une grosse merde. Et voilà, ça c'est la plume de Kérim. Y'en a marre. Je supporte pas d'avoir un manager étranger dans cette boîte. Oh, à voter. Ouais. Tu fais quoi là? Il y a un virus. Ah ouais, 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 chez BotKZ on travaille. Allez. Kérim fait voter. Que écrire des mails. C'est pour dire. À voter, mouette. J'en dis pas plus. Okay. Terracide, vous faites quoi, monsieur Terracide? On m'a dit de regarder vos mails. Ouais. Vous êtes... Vous... Oh, bah. Madrose, ah bah encore pire. Ah bah allez, allez. Madrose. Eh mais gros. J'en ai marre. Okay, regardez vos mails, potatoes. Oui, bah oui, bah je vois bien. Vous êtes une belle salope, je vous regarde de l'autre bout du BZ. Qui a écrit ça? Kérim? Mais tu cherches à l'obsoumé, je suis à côté de toi. Ça a l'air super, c'était un plaisir. C'est une blague. Kérib, vous êtes une belle salope, petit bro. Que des mails pas drôles, quoi. Eh ben, vous savez quoi, moi je vais écrire un mail avec mon propre email parce que moi j'assume mes propos. Donc Terracide, je fais confiance. Ton live pue la merde. T'as compris, Madrose? Apprends à animer. Animer. Mon pauvre. Et surtout,
Heiser, trouve un taf, clochard, 10 ans que tu suces. Non ! Je l'ai pas envoyé là. Ok, je le réécris. Au cas où, si ça a pas marché. Ton live pue la merde, Terra. Tu sais pas animer. Et aussi, Heiser, 10 ans que tu suces. Trouve-toi un taf. Parce que c'est pourri. Fais quoi là ? J'écris un message à Terracide avec mon propre email et j'assume mes propos. Et va lui demander de le lire. Ok. Là, me virer. Ah bah, Terra. Il fallait qu'il lise un mail absolument même. Oui. Terra. Vous savez vous faire attendre. Hein. Les absents ont toujours tort. Ah bah voilà. Vous pouvez venir devant. Oui. C'est, je dois sucer le manager maintenant. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec vos mails là ? Bah écoutez, il y a un dénommé Kérib qui s'amuse à s'asseoir. Et on peut le reconnaître en fait parce que quand il passe sur mon. Quand il passe sur mon PC, il y a une grosse trace de fesses qui est visible. C'est bye. Kérib, c'est ciao. Non ! Bon bah. Non, moi j'ai juste dit qu'il venait sur mon PC, j'étais pas sûr que c'était lui. En tout cas, il branlait rien. C'est vous. Monsieur Terracide. Salut. Belle journée. Monsieur Terracide. Oui. Vous avez lu vos mails ? Justement, j'essaie de les lire là. On m'a dit de les lire. Alors. Ah bon ? Ah bah allez-y. Allez-y, lisez-le. Alors, ton live fout la merde. Apprends à animer mon pauvre surtout. Heiser trouve un taf, clochard, 10 ans au-dessus. C'est super méchant ça. Hello guys. Bah, maladie énorme et dangereuse, je suis ultra. Ok, je le réécris au cas où si ça a pas marché. Ton live fout la merde. Eh, hey, ça suffit là. On arrête maintenant! C'est qui fait ça là? On bosse! C'est pas sympa du tout! Bon allez! C'est le nouveau directeur! Eh monsieur Hugo! Alors c'est. Bah c'est Potatoes! Oui! Manager! Oui! T'es manager? Oui! Oh! Désolé! On commence? Madrose, on va te destituer là! Manager! 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 Bon, Jean, venez, venez! Non, venez, venez! Ouais. Mais on peut le virer ou pas? Bon, vous allez bosser un peu, monsieur le manager, on est occupé là. Voilà. C'est le pire manager que je... Mais déjà, vos tiroirs là, manager, vos tiroirs. Vos tiroirs. Bon, allez, j'appelle. Eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites, vous me prenez en... Ah non, c'est beau. Mais ça va pas ou quoi? Alors, attendez. Bon, alors là, franchement, j'en ai ras le cul. Bah pourquoi? Vous ne foutez rien, vous ne branlez rien. Là. Attendez, j'appelle quelqu'un. Bon, appelez quelqu'un. Madrose. Si il répond pas, je le vire. En plus, Madrose. Madrose. Quoi? Madrose. Madrose. Là, donne-moi ça. Yes, tiens. Faut que tu le signes. Appelez Hugod. Ça va les mails, hein. Tu travailles un peu, Madrose. J'appelle Hugod. C'est lui ça, alors. Personne répond. Eh, juste, manager, vous voulez savoir qui bosse ou pas? Vous les appelez à leur bureau et vous savez qu'ils sont pas là. Bon, là, je commence à en avoir le cul là. Quoi? J'appelle des gens pour voir s'ils sont à leur bureau et ils travaillent. Je fais ce que le manager ne fait pas. Mais tu travailles pas là, t'es juste une poucave. Bah, bien sûr, je suis une poucave, sinon on perd. Mais, mais qu'est-ce que tu apportes derrière? Mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Toi, t'es là aussi. T'es là aussi, toi. Qu'est-ce que t'as posé des questions là? Bon, allez, tant pis. Votez contre lui. Votez contre Madrose. Il n'a plus sa place. T'es pas cramé là. Je vous dérange. Votez contre Madrose. Mais alors toi. Eh oh. Alerte, alerte. Alerte. Jean. Oui, quoi? Madrose fout rien. Ah bon bah alors là c'est foutu. Qui est ton papa? Qui a tête mais ça va. Ça va faire 10 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es?
ou t'es pas. Ouais, allez, mon cul, tu lis tes mails et que tu travailles là. Allez, j'appelle mais quelqu'un. Mais c'est mon pote à moi, c'est mon pote à moi. Ah, pardon. Non, je l'ai pas vu. Comptez mes doigts. Eh hey. Hey. Eh bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Pousse-toi, toi, tu vas m'embrasser ou quoi? Ouais. Ça suffit, toi. Tu veux la fessée du siècle? Tu veux la fessée intergalactique? Non. Pourquoi il l'a rétrogradé? Ah non, mais c'est pas volontaire. Ah, oh bah, oh la sucerie, oh la sucerie, oh la sucerie, oh la sucerie. Oui, quoi? Quoi? Oui, bah bien sûr. On a des suspicions. Par contre, c'est pas la peine la gueule de con à côté de moi là. Hein? C'est vrai, décalez-vous. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux me concentrer un petit peu? Y'a un problème? Au rang derrière. Mais non, mais je me suis posé là, regardez, observez. Alors, Madrous, pour l'anecdote. Oui. Terracide s'amuse avec le PC d'autres gens d'envoyer des N-word au manager et des conneries non, de genre. Terracide s'amuse avec le PC du manager. Pourquoi de la gueule du monde? Non, mais attendez. De la gueule du monde? Monsieur utilise le N-word alors qu'il n'a même pas le droit. Mais si ça avait fait ça? Bien sûr que si. En tout cas, moi, Terra, j'ai jamais utilisé. Moi, Terra, j'ai jamais utilisé un mot que je devais pas utiliser sur Twitter. Merci, toi. C'est n'importe quoi. Vous pouvez le redire dans le bureau? Comment ça? Pardon? Vous pouvez, par exemple, écrire un mail et écrire le mot que vous avez écrit sur Twitter. Mais j'ai le droit de l'utiliser. C'est vrai, vous avez le droit. J'ai croisé un mec. Bon, ça va, les monsieur Tibro, là. C'est Tibro. Moi-même et Hugo avons de forts doutes sur vous. Oui, et on a de forts doutes sur toi avec Jean parce que tu fous rien. Oui, bien dit. On est... De toute façon, Jean, il sait que je travaille, je suis devant son bureau à chaque fois. Exactement, oui, en plus on arrête pas de s'appeler. C'est justement le problème. Moi je vais devoir virer quelqu'un, c'est toi là. Parce que tu non ne travailles pas. Non. Il travaille comme un ouf. Je travaille plus que toi. Je travaille plus que toi. Non, je travaille plus que toi, Hugo Délire. Oh ah oui, ah c'est moi là, Madrose. C'est, là, c'est moi, c'est moi, Madrose. C'est moi là, Madrose. Est-ce que c'est moi là? Est-ce que j'ai pu, avec ma force bionique, arrêter les serveurs? Non. C'était Hugo. Il y a que Hugo là. C'était Hugo qui manquait. Voilà. Voilà. On va voter Hugo après. Allez, un blanc. Hugo qui est pas là, Hugo qui est pas présent aux réunions. Tiens donc. Je peux pas. C'est oh putain. Bravo, Madrose, vous m'accusez moi. Oui. Comme par hasard, c'est le mec qui m'a accusé en plus. Allez, c'est bon. Terracide. Terracide. Terracide, Terracide. Terracide, venez. Venez, Jean. Alors, je vais envoyer au manager. Je vais envoyer au manager. Je suis un traître. Avec son ordi. Il n'y a pas de raison. Voilà, comme ça au moins, ce sera clair et concis. Voilà. White email. À Madrose. Ah bah, il va arrêter. Je suis un gros traître. On a la preuve. On a la preuve. J'ai une meilleure idée. Et si on écrivait un post, un mail, pardon, du poste de Terracide à Netanyahou en disant j'adore ce que vous faites. Ah oui. Monsieur Madrose. Monsieur Madrose. Madrose. Monsieur, on a des preuves accablantes. Oh. Venez voir. Madrose, t'as peur ou pas? C'est... Venez voir, monsieur Madrose, on a des preuves accablantes. Non. On va pas voter. Monsieur Madrose, ouais, venez, dis voter. Donc. 5 secondes. C'est quoi ce manager de con? Venez. Venez, venez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai viré. Oh là là, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un mouette volante, il est en train de fumer un pétard. Quoi? Lisez vos mails. Lisez vos mails, monsieur Madrose. Madrose, Madrose, vous êtes le pire manager de France. Vous êtes le pire manager. Bon, allez. J'ai raison, c'est Hugo. Bon, allez, vote fort, c'est le pire manager. Ah, j'ai reçu un mail de potatoes, vous allez lire. Bah, allez lire vos mails, bon sang. Hugo, c'est out. Mais, Madrose, lisez vos mails. Mais comment ça pourrait être Hugo? Mais d'abord, j'ai viré Hugo. Mais non, lisez vos mails, après vous virez Hugo. Mais t'es trop con. C'est pas Hugo. C'est pas Hugo, et abruti. Ça peut pas être Hugo. Je regarde les mails.
pas possible ce manager. Vote fort, hein. Perso j'ai vote fort. Ça m'énerve. Lisez vos mails, on va la voir. Bête, quel casette, je te baise la mère, les putes, oulala. Non, mais y'a pas que ça! Y'a pas que ça! Ah bah voilà. Et c'est Jean et Hugo qui t'ont voté. Bon bah, Terracid, il va recevoir des sales mails. Hein. Eh, tu prends Terracid, il va recevoir des bites. Oh, ça fait du bien. Il est où? Terracid! Je suis. Ah ouais! Ah non, on a perdu. J'ai pas compris pourquoi ils ont gagné. Ah, il m'a viré direct. C'est chiant que ça reste pas au lobby. La barre du haut était remplie. Mais attendez, il est traître. C'était Pota et Super Con. Ah, on a gagné. C'est tout. Oui, bon, la communication pour jouer au traître avec Super Con, hein. c'est difficile. Hein. Non, mais j'ai mal au début. J'ai mal au dos. Attendez, je vais équilibrer parce que là vous galériez. Désolé, Dick Pic, les managers. Moi, désolé. Moi, je vais me coucher là. Désolé. Mais non, il est 22h27. Il est 22h20. Il est 22h27. Reste là encore. Tu fais une dernière. Si bon, je vais y office. Tu fais une dernière. À Stanton. Une dernière. Arrête de faire. Hey, Tibro, arrête de faire Dwight. Arrête. Tu vas aller voir quoi? Battlestar Galactica. Arrête. Il est 22h28, frère. Oh le bâtard. C'est vraiment chiant. Il est parti. Oh. Frère, il abuse ce gars. Il abuse. C'est qui? Moi je sais pourquoi. C'est Tibro. Il était là à peine 2 heures. Moi je sais. À peine 2 heures. C'est pour ça qu'il parlait plus depuis une heure. La salope. 2 heures. Salope. Bon, par contre, vous pouvez rejoindre, hein. C'est pas illégal. Vous pouvez parler dans le chat. Hein. C'est pas payant. 2, 4, 6, 8, 9. C'est gratuit. Hein. Il y en a deux là. J'arrive. Mais il en manque un. Il manque qui? Il manque KZ. Ouais. KZ. Regardez, il est là. Qui manque? Bah, c'est bon, non? Ok, c'est bon, Ryan, il est là. Il y a un joueur en moins, du coup, à cause de quelqu'un. Non, mais tant mieux qu'on se débarrasse de cette pute. J'ai mis mon bonnet de nuit, les gars, je vais dormir. Ça faisait 3 mois qu'il n'était pas venu, il est venu 2 heures. Je suis dégoûté. Dégoûtant. Du coup, on a tous raté le point. Mais regardez le nom de ma fourmi, sérieux. KZ, tu peux te mettre. Je l'appelle Tornu Tank 3000 ou pas? Mais alors, par contre, vous ne le direz pas au myrcologue de la communauté, mais je me branle devant mes fourmis, des fois. Au myrcologue. Il est parti en plus. Il est parti, bien sûr, il va pas rester. Ah. Oh, bon, scannez le QR code, les gars, pour aller sur leur Discord. Scannez au max. On rejoint tous le Discord. Scannez. Venez, après, on rejoint une partie de random. On leur casse leur partie complète là. Bah, ouais, s'il y a des mecs. Alors. Ramasser, ok. Bon, là, je vais bien bosser, les gars. Je vais bien bosser comme une pute. Hey, tout à l'heure, tu m'as bien grillé, mais t'as rien dit. Je te le revaudrai si t'es un traître. T'inquiète pas, va. tu me manques là, avec ta petite boule là. Enculé ta mère, la pute, hein. T'es quand même beaucoup moins drôle, enculé. Ah, hein, hein, t'étais encore puceau alors que t'étais one man show. T'arrêtes avec les petites Pourquoi les serveurs sont down? Parce que quelqu'un les a débranchés, peut-être. Luna. Oh, mais faut que je descende. Pardon, j'attends l'ascenseur. Ah bah tiens, on se retrouve. Ah bah dis donc, allez, hein, monsieur. Eh, Dieudo, avec tes blagues antisémites, tu continues, hein. C'est toi qui est. Et tu veux peut-être la manette 2 pour. Tu veux peut-être que je te fasse la première partie à Jérusalem, peut-être Arthur qui fait. Hop là. Désolé, on était en train de blaguer sur. On était en train de blaguer sur Jérusalem et tous ces trucs-là. Alors, il veut quoi le chat? Je soutiens. Que je dis. Allez hop! Comment ça? Rame de papier. Allez, on ramasse, viens, on ramène pour faire chier le monde. Mais il est vraiment remonté ce con là. Oui, bah il s'en fout de nous. Des dents. On peut aller là? La première fois, je vais en dessous. Ah, il y a quelqu'un. Ouais, non, mais non. Pas KZ. Ah, bonjour monsieur, bonjour voisinou.
Attends, travaillez pas sur ta caisse. Ah pardon, je dois bosser. Bonjour voisino, on va où là? À 10. Attends, on va remonter, je veux voir qui c'est. C'est qui le manager? Bah super con et du coup il a mis KZ. Dis donc. Ça va bien discuter hein. Qui c'est le manager là? C'est super. Allez. Ah, allez, on vote contre lui. Allez, le manager il dégage. C'est qui le manager? Allez, non mais c'est bon. Allez. Super con KZ en manager, faut arrêter. Terra, alerte. Super con KZ en manager. On est dans la merde. Bon, la partie est foutue. La partie est morte. Ramasser un rouleau de papier, ben j'en ai là. Ramasser un déchet. Ben, Tibro n'est pas là. Quand il rigole. Ils sont où les chiottes, Kirib? Bon, allez, tu fous rien, Kirib, je sais que c'est toi. Hein. Je sais que c'est toi. Mais non, viens, je te montre où c'est les chiottes. J'ai récupéré ma porte. Là, c'est là. Hein? Où c'est là? Ah oui, c'est vrai. Kirib, faudra voter contre Supercon parce que Supercon en manager, c'est impossible. Oui, désolé, hein, je dois prendre. Vous m'excuserez, je dois prendre le truc qui est à côté. Vous pouvez vous pousser? Non, mais je dois prendre le truc qui est à côté. Voilà, merci. Voilà, et je remettre du toilet. Comment ça, remettre? Toi, t'as dit que c'était moi. Attends, bouge pas, tu vas voir. Ça veut dire quoi, remettre? Faut t'en remettre là-bas. Ah bah c'est débile. Bah, non ça marche pas. Y'a d'autres toilettes? Le chat c'est quoi qu'il faut faire? Ouais bah t'inquiète, je suis un gros geek puant qui se lave pas. Par contre, les gars. Allez. Mouette. Skas. Hugo. Ouais. Voilà hein. Il est où mon papier toilette? Mais pourquoi vous voulez? Il est où mon papier toilette? Là, redonne. Madrose, va voter. Non, tu me le donnes, moi. Putain mais. Où tu l'as remis? Comment ça a marché? Mais il y a déjà ma voisine qui m'a envoyé un message là, je l'ai tué. Mais les gars, le stockage il est ici. Ok, rechargé. Ok, c'est bon. Madrose, va voter. Ryan, va voter. C'est super con le manager, on est dans la merde totale. J'ai plus de table. Après, en vrai, il sera. Bah voilà, je préfère ça. Le mec, il a géré Wanky, il a géré des trucs lui. Je préfère, moi, il fait drôle, mec. Aidez-moi. Eh, Terracide, c'est un honneur de vous avoir parce que vous avez géré plusieurs entreprises et je sais que vous remonterez l'entreprise parce que pour l'instant, je vois la barre rouge, bon. Hein? Oui, ça va à volo. T'as un plusieur de bits, n'écoutez pas. Jeter l'objet de la poubelle. Jeter. Ramasser par terre chip dans l'égal 3. Poussez-vous! Je travaille! Oh putain, il l'a enlevé! Vous entendez la conversation en fond, il l'a enlevé direct! Eh non, fallait l'enlever, fallait le laisser! Elle est où le. Bon, allez, Kirib, c'est bon, c'est toi! Je te surveille, il est pour voir si tu travailles! Hugo, c'est Kirib, il fait que me suivre! Oui, allez, t'as fini tes tâches! Allez hop! Eh! Terra, allez, Madrose, dégage-moi ça. Ah, mais y'en a combien? Ok, c'est bon. Mais je vous encule. Bah alors, bossez là, putain, vous en avez rien là. Bossez, merde. Ah, merde. Ok, bureau de Terracide, tiens. Mais je suis janitor. Monsieur le manager, j'ai un papier pour vous qui stipule. Oui, quoi. Voilà, je le place. Voilà, ok, merci. Voilà, ça veut dire que vous avez vraiment du sang à 5%, ça le prouve. Bravo. Wow. Envoyer un mail. Putain, c'est mon bureau ça? Ah non, c'est plus ça. Ça va, tu glandes bien, Madrose?
voisine, elle m'a engueulé. Monsieur le manager, virus. Oh là, virus. Virus. Virus, monsieur le manager. Monsieur le manager, j'ai un gros virus sur mon PC, il y a que vous qui pouvez l'enlever. Oh bah, alors ça, eh ben écoutez Potato, on vient de me dire qui serait éventuellement le coupable. C'est qui? Là ici. Si vous pouvez marquer n'importe quel code, ça m'aiderait. N'importe lequel. Par contre, les feignants, ils vont gagner là. Manager, manager. Merci beaucoup. Les feignants, ils vont gagner hein. Vous pouvez essayer encore. Il est indisponible. Les feignants vont gagner. C'est quoi le truc contact? Ça va ou pas? Je baisse Tibro et sa mère la pute à se coucher à 22h. Voilà. Ensuite, imprimez les salles confirmation depuis votre bureau. Alors. Ça. Allez vous faire foutre! Oh là là, c'est chiant là. Ramassez salle confirmation. Vite, 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 faut que j'y aille avant qu'il me le vole. Ah voilà. Vite, vite, vite. Poussez-vous, j'ai un truc à réparer là. Ramassez. Signez. Ouais, je vais tout faire là. Mettre le sale dans le bureau de Terracide. Oh, je vais finir mes tâches. Ok. Placer. Envoyer un email. Eh, j'ai fini mes tasques moi là. Non, putain, j'avais fini ma quête là. Madros, viens. Voilà. Merci de l'avoir vu. Alors, monsieur le pad, monsieur le manager, je suis en mode pompelope là aujourd'hui. Ça se sent, ça se sent. Kirib, vous êtes pas? Oui, je suis là. Kirib, est-ce que vous pouvez dire à vos ce que vous m'avez dit dans mon bureau? Ok. Alors, ce que j'ai dit dans le bureau, j'ai dit que j'ai vu quelqu'un s'approcher du PC de Potatoes et que après le PC a été bizarrement hacké. Ah bon? Et qui était la personne que vous avez accusé? Et la personne que j'ai vue était VodkaZ lui-même. Bah arrête, s'il te plaît. Hop 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 hop. Arrête de m'enculer dans le fond là-bas. Le serpent mordu par le lézard. Non mais en vrai, t'es de merde, pourquoi moi? J'étais même pas là. Bah je t'ai vu, écoute, moi c'est mes soupçons. Tu m'as vu. Ah là là, dommage, il va se faire virer, tu vas subir ce qu'on a subi. Voilà, écoutez-moi bien. Je pense sincèrement qu'il veut virer l'assistant. C'est bon, c'est une vanne. Bon allez, toi. Ouais. It's not me, it's him, ça dit le t-shirt de Jean. It's not me, it's him, c'est toi le gay. Bon allez, c'est chiant là. Je peux sortir. À l'aide. Ah, quel gros menteur en plus, enfoiré là. Bravo. Ouvrez. Sortez-moi de là. Putain, j'avais fait toutes mes quêtes là. On va perdre, hein. On va perdre. Les gars, non mais vraiment, ceux qui sont pas feignants, faites-les. Vite. Je vais faire vite celle-là. Je nourris Luna qui est en bas, cette connasse. Putain, la connasse de chatte qui est en dessous là. Oui, je vais aller dans l'étage du bas. Appelez vite. Allez, on se barre. Go to warehouse. Non. Ramassez, allez vite. Vite, mais en vrai, ils foutent rien. Non, il y a vraiment des spécialistes, ils foutent rien. Allez vite. Feed. N'a pas le temps. Voilà, ça c'est fait. Ramasser un rouleau de papier, vas-y, la même merde. Tout à l'heure, j'étais à deux doigts de le faire. Quoi, je peux plus remonter? Vas-y, je suis bloqué ici. À l'aide! C'est bon, il arrive. Vite. Allez!
Eh regardez, personne prend le truc. Quoi ? Pourquoi fallait que je prenne une boîte de rangement ici ? Il faut que je charge du papier toilette. Vite. Vite, 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 papier toilette. Eh, hey, ceux qui sont pas feignants là, bougez-vous. Il est où ? Ah, vas-y. Faut ouvrir votre bureau là. Oui oui, faudrait peut-être bosser. Voilà. Ramasser un déchet, j'ai bientôt fini. Donnez-moi un déchet. Un déchet. Là. Poubelle. Non. Non. Cassette de sale. Oh là là, oh là là, il s'était trop bon. Cassette, t'es vraiment une salope. J'avais bien fait mon... Mais KZ, je vous l'avais dit, ils osent pas virer KZ à chaque fois. Ils osaient pas virer KZ à chaque fois. Que j'ai baisé Hugo. Attends, mais c'est KZ. Mais je t'encule, pote KZ. T'es parti direct, tu m'as accusé. Ah, c'est Hugo, je suis mort. Mais logique, c'est moi. Je suis mort. Je suis mort. Regardez les godasses, les gars. Je demande à ma commu. Ah là 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 là. Attends, Hugo. Avoue-le, je t'ai bien baisé. Eh, il t'a baisé. Eh, hey, tu l'as trop baisé. J'ai mis à la poubelle et je suis sorti direct. Ah, tu m'as baisé. Mais il a tellement baisé. Ils sont balancés. Ça fait mais je vois. C'est pas dire que genre j'étais devant, il a tellement baisé KZ. Attends, ça fait un. Attends, mais c'est l'équivalent d'un fucking Zia, ça. Tu seras dans un best-of de Sky. Mais ça fait un. Eh, un donné pour un rendu. Je parle pas comme ça. Je parle pas comme ça. Il manque qui? Il manque qui là? Il manque. On est 3 et 3, 6, 7, 8, on est que 9, il manque des gens. Attends, j'arrive. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'est ma dernière. Oui, c'est ta dernière. Eh non, mais par contre, il y avait des spécialistes, ils foutaient rien. Eh ouais, je vous jure, c'est pas possible de faire ce point-là alors qu'on bosse comme des trucs. Fous. J'étais en full tryhard. Oui, allez, full tryhard. Oui, mon fou. Bah, je tweetais sur SNK moi... là pendant le. Non, ça pas honte. Je suis passé à côté de lui, il m'a dit. Putain, vite. Alors qu'il était en train de détruire du papier. Les gars, faut qu'on. Si on oui, bah mets-toi prêt! Ok. Ryan. Ah, je suis un monstre. Yes. Eh, tu l'as tellement oui, baisé. Oui, bah mets-toi prêt! Trop facile, Slacker. Ryan, bah... Ouais. C'est vrai que t'es abonné à Ryan Anas sur Twitter. Tu m'as dit, c'est un master. Ouais, c'est mon inspiration. Par contre, mets-toi prêt. Bah, bon. Super con, nous aidons pas. Vite, je dois remercier un sub là, vite. Il est mute. Super con. Allez, il est pas là. Super con. Il est pas là. Oh non. Allez hop, oh, manager, je mens de rire. Non, je plaisante. Bon, ça me saoule, il est pas là. Super con. Ah, alors. Je regarde des fourmis. Je regarde. Bien sûr. Et mange des fourmis. Chips de crevettes. Sandwich de crevettes. Les crevettes. Hop. Merci, Chemical. Et Léo. Et je suis manager. Ben oui, je suis streamer dans l'entreprise, espèce de tocard. Et toi, t'as pas. Toi, tu t'es pas remis de quand KZ t'a baisé, toi. Eh, tu t'en rappelles quand KZ t'a baisé, quand même. Ah non, je m'en rappelle. Hein. Attendez. Oui, bah. Oh là là, le pistonnage à la con. Bon, allez, j'appelle quand même. Tu fais quoi à mon bureau, va travailler. J'ai donné un truc. Ah, incroyable, merci. Okay. Oubliez pas de mettre antivirus sur votre ordi là. Réponds Hugo. À quoi? Téléphone. Mais comment on fait pour répondre? Je comprends pas. Bon, attends, je vais t'envoyer un mail. Non, ça bosse pas beaucoup ici. Hein. Alors. Comment vous faites pour décider? Pour doter Racine. Qu'est-ce que vous faites sur mon putain de PC? Mais j'envoie. C'est même pas une insulte. Hugo! Je vous invite à lire vos mails. Attends, je t'en envoie aussi. Je non mais c'est même pas passé. Grave, c'est même pas grave, monsieur Terracide. Tu te rappelles quand KZ t'a baisé ou pas? Bon allez. qui a dit ça? Je sais pas si vous avez rappelé, mais KZ avait baisé Hugo. Ah il m'en souvient, c'était exceptionnel. Alors faire une copie... Bah, je l'ai perdu. Oh non, j'ai perdu le papier.
C'est-à-dire... Il est passé où le papier? Je sais pas comment dessiner, j'avais dessiné, moi je bosse. Ah ouais? On peut dessiner? T'es un traître en fait, c'est une tâche de traître que de rébranler. Oh, je vais te dire. Ah ouais, j'avoue, moi j'ai pas la tâche pour dessiner, c'est que les traîtres qui peuvent dessiner. Attends, Hugo qui achète plein de trucs. Attends, je savais pas ça moi. Ça va en bas ça, Cass. Donc bon, je vais aller à l'imprimante. Ça va, Scas? Ouais, toi. C'est vous me dégoûtez. C'est Deva Padou dans l'équipe du soir, Scas. Hein. C'est bon, je plaisante. Ok. Regarde la barre en haut là. Regarde mettre la barre. Le note sur. Oh non, sur le bureau de Bodka. La barre? T'as la barre là au bureau? Ah, j'ai besoin de passer sur des ventes. Allez, il est où KZ là? J'ai besoin du document de votre part. Non, je le mets chez KZ d'abord. J'ai le document. Je l'ai mis chez KZ, vous pouvez le reprendre. Ok, c'est bon. Ramasser. Ok. Je ramasse. Je vais à l'imprimante. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Monsieur Terracide. Monsieur Terracide. Terracide, j'ai à vous parler. Oui, attendez, je confirme juste l'envoi du document et je suis à vous. Hop. Monsieur Terracide. Oui. Vous m'entendez? J'ai repéré une intrusion de Pakistanais dans l'entreprise. Pardon? Méfiez-vous. Ah ben, bonjour monsieur. Oh, bonjour. Allez, on travaille, on bosse. Merci d'arrêter de me suivre. Alerte. Ah! Là, monsieur Tassi, derrière vous, il était là. Ouais, je l'ai vu, Mais, mon papier. Ah non, c'est bon. Mon papier. Déchiquette. Je préfère raser les murs, hein. C'est votre ordinateur. Qui était sur votre bureau, qui était en train de faire de la merde. Rasez les murs, monsieur Jean. Je fais ça de très près, j'observe absolument tout le monde. Rasez les murs. J'ai certains profils qui m'ont dérangé. Est-ce que ces certains profils sont racisés? Oui. Alors, utilisez l'ordinateur. Hein? Mais j'ai plus ma mission, bande d'enculés, vous m'avez niqué ma mission. J'ai vraiment cru que c'est lui qui avait parlé. Attendez, je vais quand même le dire à la réunion. Juste, attendez. Attendez, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Est-ce que c'est contre Raya Carman? Non, mais je dois vraiment dire quelque chose. Qui se souvient quand KZ a baisé Hugod? Ah, je m'en souviens, il avait bien baisé. Il s'en souvient quand j'ai viré Potatoes et qu'il a pleurniché comme une pute. Bon, bah, il se vexe là. C'était contre Hugo, hein, c'était pas contre toi. Asseyez-vous. Ah, si, j'ai viré, t'as pleuré. Oui, mais là, tu t'es senti visé du coup. Est-ce qu'on pourrait. Ah, t'as dit mon nom quand même. Ah, bah, j'ai plus le droit de dire le nom de KZ, les gars. On a plus le droit de dire le nom de KZ. Oh, s'il vous plaît. Monsieur manager, vous virez Raya Carman, on passe à autre chose. Hein. Attendez, qui est pour vraiment... Levez la main ceux qui veulent virer Raya Carman. On peut pas lever la main. Ah, c'est pas cliqué. T'es gauche. T'es gauche? Oui. Enfoncez. T'es gauche. Un slacker. Et au bout d'un moment, on applaudit. Voilà. Allez, on se casse. Je vous conseille de raser les murs. D'organiser le classeur dans le corridor. Tout pourri. Ta gueule, mouette, t'es traître. Bah, c'est juste, faut le fermer, quoi. C'est notre juridique. Tu peux éviter de dire le nom de KZ, s'il te plaît, Pota? Oui, on n'a pas le droit. Arrêtez! Je m'excuse, Pota, excuse-moi, tu m'as vexé. Et c'est... Désolé. On te verra au bureau. Ah, si, ça marche. Et comment on organise, là? Ah, c'est bon? Je commence à avoir faim, par contre, là. Il faudrait un snack et sucer la bite de Jean. Quelqu'un? Manager! Monsieur manager, vous pouvez signer votre papier? Ah, mon virus! Voilà, je vous cherchais, monsieur. Ah, bah, il y a des problèmes. Monsieur manager! Y'a pas des trucs que j'ai jamais fait, les gars?
Genre ouais, me dire des trucs, j'ai jamais fait. Ah, c'est... comment on dessine? Comment on dessine? Comment vous voulez que je dessine? Sur ça là? Comment on fait pour dessiner? En bas à gauche sur start. Ah ouais! Non, efface. Efface, frère. Là, il va m'entendre, le manager. Alors là, mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Monsieur manager. Alerte, alerte. Monsieur, les deux là, venez avec moi. Les deux, venez avec moi. Vite. Tout de suite. C'est une honte. Hugo délire. Il y en a plus rien à foutre de montrer ses opinions politiques. Non, c'est abusé. 2000, il n'y a même pas des questions. Non. Monsieur Hugode. Monsieur ouais. God, votre ordi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Votre ordinateur, s'il vous plaît, on a dû mettre une croix. 605, oh, bah, voilà. Mais on peut plus dessiner pendant le temps libre. Imprime-le. Attendez. Attendez. Laissez-moi l'imprimer. Hugo, suivez-les, je vais l'imprimer, ce dessin, ce chef-d'œuvre. Tu peux? Oui, apparemment. Alors, je refais. On peut pas... Ok, je refais. Non ! Eh, le traître, il est trop chiant. Ta mère, le traître, là. On va l'imprimer et on va distribuer. C'est le mec qui distribue des tracts. Bah ça va, t'es à ton bureau. Oh. Bah attends, bah, désolé, mais ça s'écrit tout seul. Comment écrit ? Bard... Attends, what ? C'est, je sais pas. Oh, c'est... Pris mon dessin, j'aimerais bien l'afficher. Bon, écoute, bureau. Je print. Merci. J'aimerais bien l'accrocher sur mon bureau. C'est bon, apparemment. C'est à la print. On va le chercher. Mais c'est des tracts, il va falloir le copier et le donner à plein de gens. Ah, bah vas-y, laisse-moi le copier. Ah ouais, vas-y, copie. Vous pouvez venir, il y a une réunion. Attendez, mais là, non, mais on fait autre chose. Là, on a un combat politique, mon pauvre. Voilà, Hugo, ça va lâcher. Tu hop là, hein. Vas-y, prends. Vas-y, je prends. Voilà. Les gros tarés du bureau d'extrême droite. Au lieu de bosser, ils font ça. Quoi? Les gars, voilà des tracts si vous voulez partager. Vous avez des tracts, voilà des tracts. Des tracts pour vous. Des tracts pour vous. Voilà. Voilà. On prend, nous on assume, hein. On assume. Eh, lisez le programme, hein. Eh, on dit tout le temps, ouais, oui, vous êtes que des racistes, mais c'est pas vrai, hein. On a aussi un cœur. TikTok qui va pas comprendre les vannes. Vous voyez, ils ont fait des blagues. Les gars, Madros pue la merde, on est d'accord. Mais personne, Mouette, ils ont pas compris. Est-ce qu'on vire Mouette? Moi, je suis bien d'accord. Pourquoi Mouette? Depuis une minute, t'as toujours rien fait. Allez. Bah, merci, Skaz. On peut entendre Skaz parler? Mais Mouette, il l'est tout le temps, chaque partie. Ouais, tu peux parler un peu? Non, Skaz, tu peux parler, voir? Vous savez qui c'est? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Un micro de fou! Mais pourquoi? Parce que vous êtes pas efficace. Crie un peu, voir! Vous étiez le dernier! Il attend mon micro. Crie un peu! Voilà. Attends, désolé, Skaz, je vais parler un peu plus fort. Oui, ça va? L'image que j'ai. Ah, merci. Oui, ça va, Hugo, qu'est-ce qu'il y a?
L'image que j'ai dans mes mains, oh, paix, vous voulez l'autre image? Mais pour l'instant, monsieur Hugo, je dois me calmer parce que je... Pota, viens voir, regarde. Je vais la mettre. Oui, voilà, voilà. Quelqu'un? Bah, Hugo. Hugo. Vous êtes où, Hugo? Oui, vas-y, montrez un peu. Ah bah... Ah, la marque de vêtements, oui. Bravo. Ben ça ne marche pas visiblement. Mettez-la par terre, ça ira plus vite, hein. Regardez. Ici. Et vous vous placez ici. Oh non. Attendez, je vais appeler Terracide. 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 Ouais, 8 glandes, hein. Terracide, venez voir. Bah, ah, qui sont les enfoirés qui ont enlevé ça sur le sol? Attendez. Je vais... Non, mais je vais me permettre de mettre un message pour le manager. Non, pourquoi le truc? Oh, il y a le démineur. Quoi? J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire ce que t'écris. Ouais, c'est pas compliqué. J'arrive vraiment pas à lire ce que t'as écrit, hein. Tant pis. Tu l'imprimes là? Ouais. Et c'est pour le manager, c'est un message personnel. Attendez, j'ai mieux. Attendez, laissez-le-moi. Oh bah tiens, y'a Tibro. T'as premier Tibro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tibro, ça. C'est pas mal, mon dessin, non? Non, mais c'est chiant ce truc. Ah 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 ah, l'aide, à l'aide. Madrose, à l'aide. Monsieur le manager, venez me voir tout de suite. Venez me voir ce qu'on vous a laissé là. Bon bah, c'est plus là. C'est pas possible, regardez ce que j'ai reçu sur mon bureau. On te tuera. Serait-ce par rapport à mes origines? Alors là, oh la vache, là je pense qu'on casse la conviction. Attends, oui, il y a quelqu'un qui t'a dessiné et... Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Jean, permets-moi de dessiner sur ton ordi. Alors. Ah bah, il travaille là. Mais il est pas là. C'est celui qui travaille là, normalement. C'est celui qui travaille là, bah c'est Jean. Voilà. Jean. Ah. Là, je bosse là. Il est où, Jean? Pota, ton micro est saturé à fond la caisse. Attends, c'est ce que je crois? C'est une roue de... Là, c'est la roue de la fortune. Il y a une image Jean. Sur vous. Quoi? Va te faire enculer. Pourquoi? Parce que pour la caricature que t'as faite de moi là. Bah t'aimes pas? Va te faire enculer, je vais faire pareil avec toi. Il est pas bon mon dessin? De l'animosité là dans les bureaux, j'aime pas ça. Moi non plus. Attends, je vais en faire un autre. Attends, je travaille là. Pota, viens voir mon magnum opus. Attends, je dessine un truc là. Putain, ça bug, frère. Ok, viens. Ok, Rib. Ouais, frère,
Je vais écrire avant de dessiner. Attends, je finis. Ah, c'est dur, frère. Hein. On s'en bo... hey, on s'amuse dans les bureaux. Hey. Hein. On s'est rigolé, non? Oh, qu'est-ce que... Oh, potin, potin. Pota, pota, viens, viens, viens. Attends, attends, attends. Y'a l'autre, y'a la fuite. Vite. C'est bon. Allez. Allez. Poussez-vous, je dois aller à la... On est plein, hein. Regarde, Jean, Jean, Jean. Je dois vite aller à l'imprimante. Oh, la vache. Oh, putain, la voix. Qu'est-ce que c'est? Regarde ce que j'ai dessiné. Oh bon, qu'est-ce que c'est que c'est? Pas mal. Attends, je prends le mien. Pota, pota, regarde l'ascenseur. Regarde l'ascenseur. Vas-y. Monsieur, vous le reconnaissez? Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça, Hugo? Oh, sérieux? Ça fait trop plaisir qu'on m'ait fait quoi? Les gars, il y a un problème! Problème à l'ascenseur! Problème à l'ascenseur! Ascenseur rempli! Ascenseur rempli! Les gars, il y a 800 tonnes! Alerte ascenseur! Alerte ascenseur! Alerte ascenseur! Il y a Barry White dans les coulisses! Il y a Barry White dans les coulisses! À l'aide! À l'aide! Mais allez vous faire foutre! Qui a fait ça? Bon allez, je vais travailler quand même un peu. Regardez la tête de Kérib. 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 Monstrueux. 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 Eh, coude ton tige. Bendada. Ah mais je l'ai pas, j'ai pas voice mode. Putain, ça a bugué. Dégoûté. J'aurais pu te le mettre. Je le mets à mon chat. Hein. Et regarde ça, regarde ça. Regarde flirting, et regarde là-bas. Regarde là-bas, regarde là-bas. Voilà, ouais, il fait trop le beau lui. C'est quoi ce dessin? Voilà, je vais travailler un peu parce que c'est des conneries. Oh, travailler un peu! Allez, on travaille. Commander keyboard à l'entrepôt. Et nique ta mère, toi, keyboard. Commander paper rim. Commander desk. Encore un keyboard. Ramasser la nourriture pour choix. Attends, je fais mes quêtes parce qu'on va perdre là. Jean, this is a man's world. Something wrong. Ramasser de la nourriture. Ok. Non mais les gars, par contre les spécialistes, vont se bouger un peu. Oh mais vas-y, nique ma mission. Là. Je vous mets, this is a man's world. This is a man, world. D'accord. Bon les gars. C'est quoi ça? Attendez, venez ici. Est-ce que ça fait rire quelqu'un cette affiche là? Est-ce que là, c'est ça? Non, allez, ça, ça la poubelle, ça la poubelle, ça la poubelle. Et le Hugo là, on le reprend. Non, oh non, non, mon dessin. Non, celui-là on le laisse, hein, le dessin avec ma crotte. D'accord, ça fait rire personne, on va virer votre. Pas mal. Il est où là? Ah bah. Ah bah, et juste pour son dessin. C'est vraiment Charlie Hebdo, il s'est fait virer pour un dessin là. Je vais lui dire, elle est quand même pas mal, je vais la répéter. Eh hey, Madrose! Oui. Et Charlie Hebdo, t'as viré quelqu'un pour son dessin? Oui. Enfin non, ils se font pas virer du coup. Bon, ça va. Ah, il y a un bordel! Bordel! Bordel, je vais à l'étage 2. Voilà, ça fait bugger le jeu quoi. Hop, encore, encore un peu. Mais là ça marche même plus. Non. Oh, Jean non. Putain. Oh là là. Jean putain. Bon allez. Attends, on va s'arrêter là je pense. Écoutez, je vous ai bien croqué. C'est super drôle. Mais Jean il est souvent traître. Et par contre, ouais, Jean et moi, on est tout le temps traître, Jean et moi.
J'ai jamais eu une fois. Mais par contre, c'est vraiment parce plus que drôle. Dans la vraie vie, mouette. Mais sur un. Oh la vache. Quoi, je suis tellement pas très drôle, je m'amusais bien employé. Moi aussi. Des dessins, ouais, les deux sont drôles, je trouve. Ouais, mais en plus, ça, comment dire, fait croire que. Moi, j'ai fait un entrepôt dans l'ascenseur. T'es bon. Ouais, bah, tu vois ce que je voulais dire. N'oublions pas que KZ a baisé Hugo. Et ça. N'oublie pas ce que j'ai fait à ta femme. Bravo. Bon, bravo. M'arrête là. Ouais. A priori, on va peut-être faire un truc avec la K-Corp sur le jeu. Hein. J'en ai parlé à Bibi, il pouvait pas ce soir. Mais oui, sans... oui bah, il pouvait pas ouais, ce ouais. soir parce qu'il joue avec Camille. La K-Corp, enfin, oui. Tu joues avec. Pardon. Sorry. Ah oui, d'accord. En plus, c'est sur ce même jeu en plus. D'accord. Ok, d'accord. On est trop dégoûté de pas jouer avec j'ai vous. J'ai compris. J'ai la haine, Terra, qu'on peut pas jouer ensemble ce soir. Oh bah, putain, je suis dégoûté. Tu sais quoi, ton t-shirt, Kamel ? Eh ben, il était vraiment pas beau. Eh ben, il était moche, voilà, le t-shirt, il était pas beau. Oh, cochon ! Cochon que tu es ! Dans le dos, comme ça, cochon ! Voice mode. C'est pas ça. Cochon. Oui, t'as... J'aurais dû te dessiner encore plus laid. Merci ceux qui ont joué, sauf Supercon qui a passé la moitié de la partie à pas être là. Et Tibro qu'on encule. Hein. Ouais, Tibro. Ah bah oui, ça c'est la base. Il peut même pas passer une soirée complète. Et la soirée ne pourrait pas bien se terminer sans enculer Tibro. C'était drôle. Si on arrêtait de l'inviter. Et il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit c'est vrai, ce serait une bonne idée si on pouvait laisser des messages vocaux sur les répondeurs. Le classique que ce serait. Même s'appeler via les téléphones. Le si on pouvait envoyer dans la vraie. Non, mais ça fait déjà, ça fait. Tiens, on met la vraie adresse sur les PC de personne et on les reçoit en live. Je pensais pas qu'on pouvait imprimer les dessins aussi, ça c'était marrant. Ouais, c'est un classique de pouvoir imprimer. Ah non, j'y pense aussi, pouvoir envoyer des vrais liens sur le navigateur, le classique. Oh là 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 là. Ah ouais. Je pense qu'il y aura des modes. À défaut d'avoir des mises à jour officielles, il y aura des modes peut-être. Bah des photos. Ah oui, peut-être via le logiciel là de. Envoyer des photos par mail, laisse tomber. Metal Company là. Ouais, tu vois, ce genre de mode pour les jeux comme ça. This is amazing. Faudrait le refaire ce jeu de YouTube là. Ce jeu de rec. Rec les monstres. Ah oui, en plus, c'est des mises à jour. Ouais, j'ai jamais fait la deuxième. Ok. Content warning. Allez. Oui, content, exact, mon pauvre. Ouais, c'était drôle. Super jeu aussi ça. Ah bah, bonne soirée tout le monde, sauf Fatibro. Ouais, bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Baisse, ce mec. Bonne soirée. Ouais. C'est là, ciao. C'est là, c'est l'ascenseur. Ciao. Ciao les boudins. Ciao. Ciao. Ça, c'était drôle. Hein. C'est bien rigolé. Je mets ça en entend. Alors, en gros, il y a toute ma piste son à la bugué. Quand j'ai coupé le son, là. Faut surtout pas que je refasse. Mais après, c'est chiant, là, le bug du son. Ouais, à refaire avec la K-Corp. On peut pas, ils sont occupés. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà, voilà, c'était drôle. C'était bien marrant. Il y aura la VOD sur Kakabox. Moi, c'est un peu chiant parce qu'il y a des bugs de son et tout. À refaire, bien dit, Ryan. Mais on y a pensé, hein, puisque Kamel refuse, je pense qu'on va se mettre dessus. En tout cas, je disais, bon, les mecs TikTok, ils vont les scellés, ils vont pas comprendre que c'était des blagues, les tracks Bardella. Mais vous voyez, il y a quelqu'un, je vous avais dit. C'est du foreshadowing. Hop, voilà. C'est trop. Et merci pour sub, ceux qui sont sub pendant le truc. Est-ce que j'ai stream labels? Je vous le dis, vous l'avez vu? Vous voyez? Je vous l'avais dit. Merci Peter1089, Antozor, El Carfito, Chemical Nova. W, Julio. W, Julio. Peter Mill, Lévoin, Chemical. Vous savez ce qu'il a fait, Remly, ce tocard-là? Parce qu'en gros, il me cassait les couilles avec son Gouda, là, aux Pays-Bas.
Et je lui dis, mec, tu me fais chier avec ton gouda là. C'est en mode, tu sais, il me vendait son fromage comme si c'était le meilleur fromage du monde. Il disait, aux Pays-Bas, on va manger du gouda et tout. J'ai dit, je m'en fous de ton gouda et tout. Et du coup, il me fait chier aux Pays-Bas, machin, il répète moi. Moi, j'aime pas forcément le gouda. Et ce débile mental, il m'en a livré. Donc demain, je reçois du fromage chez moi. Voilà, tout ça parce que ce débile mental m'envoie du fromage chez moi et je vais avoir du fromage pourri. Vous savez quoi ? Il l'a même pas mis en chrono fraîche. Donc un fromage sans chrono fraîche, vous imaginez le bordel ? Mais pauvre mec, hein. Vraiment pauvre mec. Tu sais, il aurait pu m'envoyer du jambon, du fouet catalan. Non, il m'envoie du gouda. Voilà. Mais vraiment. Et en plus, vous savez quoi ? Vous savez ce qui m'accusait ? En gros, il y avait la cafette au début de l'hôtel, là, le matin du Water Crazy. Et il faisait que me traiter d'autiste parce que je regardais son plat et tout. Mais en fait, je regardais son plat parce que Théo avait explosé son œuf. Et le mec me traite d'autiste à moi. Moi, hein, moi ça, j'ai pas de problème d'être autiste. Mais le mec, il me traite autiste à moi alors qu'il envoie du gouda comme ça, voilà. Du gouda à 10 euros. Donc, il est gravissime ce type, hein. Merci King pour les 33 mois. Nixio pour les 100 bits. Esprit Coubertin. Reload. Maxmar. Flaco. Crispy Cookie. Léa. Deking. Jovavid. Jodavid. C'est trop glouqueuse le goûteur. Matsoron. Chemical.